Et bonjour YouTube, la suite des aventures de Jean-Luc, bien sûr. Jean-Luc en Outre-Terre. Jean-Luc qui fait sa petite campagne pour le nouveau Front Populaire, là. Même si apparemment on n'a plus le droit de faire de campagne maintenant, mais c'est pas grave parce que moi je m'en fous. Je suis pas un influenceur, donc... Et les oiseaux, ils chantent fort. Incroyable. Notre ami Jean-Luc. Où en étions-nous avec Jean-Luc? Ah oui, oui. Avec Jean-Luc, nous avions découvert l'existence de ce petit château, de ce castel. Donc nous voulions faire ce castel-là avant d'aller faire la... C'est grand, en fait. Avant d'aller faire l'académie de Raya Lucaria. Donc, c'est parti. Je sais plus ce qui se passait par là, mais... Ah oui. Donc là, il y avait le grand forgeron. Qui avait rien... Ah, on montait le son un peu. Qui avait pas grand-chose à nous dire. On va faire un petit tour d'abord. Hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? Bizarre la pluie un peu dans la région. What the fuck? La pluie est timide apparemment. Quand je regarde, ça s'arrête. La moutonnade, comme d'habitude. Alors, ça va bien vous? Moi ça va. J'ai passé une journée de qualité plutôt discutable, mais ça va. J'ai l'impression de pas voir passer mes journées en ce moment, c'est une catastrophe. Mais attendez, mais je m'en fous des rats, moi je veux juste prendre les runes. Ah bah les rats, prenons les runes. Oh, y'a un gros rat là. Hein. Un gros rat, un bien gros rat. Hein. Excusez-moi. Hein. Je suis pas du tout venu ici pour essayer de vous importuner. Moi je viens juste me nourrir. Om nom nom, les bonnes runes. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Y'a rien d'autre ici? Apparemment pas. On part des gros rats et des runes. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Ok, très bien. Donc l'idée c'est d'aller dans ce château de mort là, où il y a de la pluie là, de la pluie magique. Enfin de la pluie. On se... Mais le mouton, le mouton. Oh mais ça me vise en fait. Saloperie. On va peut-être pas y aller direct hein. Petite rune là. Mais ça s'arrête jamais. Tant que je suis là, ça continue à pleuvoir. Ah ça a le mérite d'être original dis donc. J'ai vu de pires systèmes d'alarme. Y avait pas un truc là dans la falaise? Ou c'est moi qui fabule encore comme d'habitude? Bon je pense que c'est moi qui fabule hein. Oh, encore que là. Oh, 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 calmez-vous. Et là j'arrive de nouveau chez les rats, c'est ça? Mais bien sûr, bien sûr. Oh. Doucement hein, doucement. Doucement! Doucement! Bon, notre ami Jean-Luc. Est-ce qu'il va continuer à casser des lucs? Ah, il y a des petits lémuriens. Mais ça s'arrête pas! Ça m'angoisse! J'ai l'impression qu'on n'a pas envie que je rentre dans ce château. Alors est-ce que c'est seulement une impression? Ah, ça se calme. Très bien. Oh, oh oui. Oh oui, un petit scarabus invisible là. Quel plaisir. Ah, je peux pas lui courir après. Il est trop rapide, il devient trop rapide pour moi. Il va où? Est-ce qu'il va le con? Il va passer par là? Peut-être il va faire le tour de ça là, c'est ça? Alors, trajectoire du rat. Oh putain, il était énorme, piétinement givrant. Très bien. Cendre de guerre de plus. Mais attendez, je vais où? Mais je vais où? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a des trucs partout. Au secours! Ouais, donc là, c'est la chaussée de je sais plus quoi, la chaussée martiale. D'accord. On va pas y aller tout de suite. Ça, c'est vraiment quand on aura fini le château. Ah, j'ai la voix qui. La voix qui déraille! Allez, essayons de rentrer dans le château sans se faire pougner. Petit champignon au passage. Petit bourgeon au passage. Un bourgeon.
Oh, j'ai pas le temps de me gratter, il faut que je ramasse des bourgeons. Pourquoi j'aime autant looter, je sais pas, c'est une maladie. Y'a quelqu'un qui parle? Et très clairement quelqu'un qui est en train de murmurer quelque chose. Oh putain de merde, ah oui d'accord, mais c'est... On ne veut pas de moi ici. Hein. Ça me paraît très clair. M'en fous, j'y suis quand même. Oh là, le costume qui dépasse sur le... Ah c'est dégueulasse. Ah oui, ah monsieur, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse monsieur. Beaucoup de runes. Hein. On va tout bouffer, on va essayer de prendre un level avant d'y aller. On va surtout essayer de ne pas tout perdre, ce serait dommage. J'aurais pas assez de... J'aurais pas assez pour prendre un niveau. C'est dommage. Enfin, je pense pas en tout cas. Monter de niveau? Et non, il manque 3000 points. C'est dommage. Je peux faire des trucs avec mes cendres de guerre ici? Ah, je peux changer de cendre. Ah, je croyais qu'on était obligé de faire ça chez le marchand. Ah, mais c'est intéressant du coup. Parce que là, je suis en C et C. Mais si je prends la glace. Ah, je peux accumuler de la congélation. Mais ça scale en plus sur l'intel. Et moi, j'ai pas d'intel. Je suis. Non, rien. J'ai pas dit que Jean-Luc était stupide. Hein. Loin de moi cette idée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai comme l'impression qu'il y a des sales brailles. Oh, mais il y a les mains. Oh. Oh, j'avais oublié leur existence. Ah, ça va. Vous ne me faites pas peur, je suis Jean-Luc Mélenchon. Allez, ça dégage. Bon ça va, elles font pas trop mal. Plus de peur que de mal, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a par là? On va commencer par le côté, hein. On n'est pas les animaux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va chez vous? Ah mais c'est lui peut-être qu'on entendait susurrer des choses. Manuel d'artisan des pierres des... C'était quoi ça? C'est genre les pierres qui explosent? La violence. C'est non. Hein. Vous ne mourrez pas comme ça. Hein. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ah le bâtard, il a eu l'Alsace et la Lorraine. Ils ont pas l'air très en forme. C'est... Ah c'est ça, il y a des pièges en fait, d'accord. D'accord. Il y a des petits sauts piégés. On se fait plaisir. On fait... Oh, pierre de franche sombre, cool. On fait des petites blagounettes aux gens. Ça me va, je comprends l'idée. Il y en a un là aussi, bien sûr. Je comprends l'idée, j'étais jeune aussi. Il n'y a pas de souci. T'inquiétez pas, moi j'aime la jeunesse. Oh, c'est chiant quand même. Hein. Il y a beaucoup de mains ici. Hein. Il y a beaucoup de petites... est-ce qu'on dodgerait pas tout ça pour se les faire une après l'autre? Bah je vous le demande. On va faire ça je pense. On va avancer petit à petit. De toute façon on a toute la soirée pour se faire la fin de Raya Lucaria. Pierre de forge sombre. Il y en a quelques-unes dans le coin. Hein. C'est plutôt cool. Putain de merde. C'est quoi ça? Ah c'est une... Un béboumin. Et putain mais ils sont enfermés dans... Ils sont enterrés les connards. C'est non. Pas plus que ça. J'aurais peut-être pas dû rouler, c'était peut-être un peu stupide de ma part. Et par stupide je veux... par stupide je veux dire intelligent. Combien de dégâts?
Faudrait que je... Faut rouler un moment, faut rouler un moment. Excusez-moi, je reviens. Je reviens. J'ai un petit rendez-vous. Mais arrête! C'est dégueulasse en plus! T'as pas idée d'être dégueulasse comme ça? Alors on va prendre ça. Hein. On va prendre ça, d'huile. D'huile. Du heal sur le temps, c'est très bien. Là-bas, c'est un scarabée de mana, je suppute. Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Oh, une grande main. Je l'ai vue. D'abord la petite. Oh, ça va. Je pense que j'ai un bon niveau pour être ici. J'ai un niveau peut-être trop haut pour être ici en vrai. Elles, toutes les grandes, elles donnent des pierres de forge sombre 2. Enfin, pour l'instant en tout cas. C'est très intéressant. Et donc là, j'ai fait un tour. Bah, écoutez, il nous reste la cour encore. Bah, je crois qu'il y en a. Ah, il y en a une là-haut, elle va nous pranker. Elle va nous pranker, voilà. C'était prévu, hein. Voilà. Petite prankex là. Hop. Bien sûr, on essaie de prendre la pierre, on se fait pranker. Tout va bien. C'est la classique. On peut pas ouvrir de là. Ok. Ah, bonsoir. Ça m'a touché ça, alors qu'elle était pas sur moi. C'est intéressant comme principe. Ouais, beaucoup de pierres de forge sont bon en tout cas, hein, ça fait plaisir. Bon, écoutez, on va aller se claquer quelques petites mains là. Putain, je suis... Je peux peut-être pas déconner non plus. Hein. Pas deux fois. Mais. Pourquoi j'ai pas réussi à la refrapper derrière? Mais putain, mais roule! Je lui ai dit de rouler, il roule pas. Jean-Luc, pourquoi tu roules pas? T'es un frère. T'es un frère, mais roule. Ok, ok. Très bien. Dis-moi en plus, dis-moi en plus. Ne m'en dis pas plus. Ok, petite pierre de forge là. Mmh. Oh, mais vous êtes chiante. À un moment, vous emmerdez tout le monde. Hein. Est-ce qu'on vous a dit que vous emmerdiez tout le monde? Oh putain, une grosse. Ah, je l'avais pas vu elle. Bon, ça suffit. Ça suffit! J'ai dit stop. Ça m'a amusé pendant 2 millisecondes. Ok, bon du coup on récupère des pierres, hein, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Forcément quelque chose par là, non? Rien. Quelle déception. Déception From Software, vous me décevez. Allez, ça dégage. L'avantage c'est que je vais avoir mon niveau. C'est une grande ça encore, oui. Ah, il y a une petite là. Une petite ça non? Pourquoi elle se réveille pas la petite? Ah là maintenant elle est réveillée. Bien sûr, bien sûr. Ça allait de soi. Je bute la grande et les petites qui sortent. C'est normal. Encore? Mais. Ah, vous êtes nombreuses hein, quand même. Hein. Vous apparteniez à qui avant? Ça m'intéresse. Putain mais... Waouh. Comment ça vient d'avoir quelques-unes hein. Ah, peut-être celui-là... Ce heal un chouïa. Ah bon, se transforme en culé par des mains. C'est bon, je l'ai eu. Oh, c'était fatigant, c'était... ça faisait peur. J'avoue que... Elles sont affreuses. Oh là là. Dégueulasse. Est-ce qu'on peut avancer? C'est bon? T'as le droit? Ah non, j'ai pas le droit apparemment. J'ai pas le droit d'être heureux. Hein. Y'a
Elle donne pas d'âme? Ah si, putain, j'ai eu peur. Je me suis dit non. Eh oui, j'étais derrière toi, tu m'avais pas vu. Chè. Ok, donc je pense qu'il faut monter par là. Monter par là. Ouais, oh, non, non, dégage. Y'en a une qui va me tomber sur la gueule là? Bon, ça a l'air d'aller. On la voit l'autre qui est enterrée là-bas. Hein. On te voit, hein. Pas à nous, hein, Michel. Hein. Et putain, si, à nous apparemment. Si, si, apparemment à nous, hein. Le con. Elles sont trop chiantes. Elles sont trop chiantes, elles sont trop chiantes. Qu'est-ce qu'il fait? Avec son gros doigt là. Son gros doigt écœurant là. Qu'est-ce que... Pardon? Mais... Ah oui, c'est ça son sort. Embêtant un peu quand même. Hein. Oh maman! Bon! Ah bah oui. Ah bah oui, là t'as forcé là. Bon, j'espère qu'il y a une petite grâce à l'intérieur une fois qu'on aura passé toute cette merde parce que ça fait beaucoup là. Je vous le cache pas. Est-ce qu'il y en a encore là? J'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris le champignon, par dépit. Par tristesse. Par accumulation. Ok. Bonjour. Dame Rani, nous avons attendu si longtemps. Puis votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pluie et la pleine lune éclairent tout Caria. La pluie. Pourquoi la pluie? Mon cerveau ne va pas bien. Oh, je suis bariolé, hein. Oh, Jean-Luc, il en a dans les yeux. Voilà, parfait. C'est tout ce qu'on voulait, ça. Hop. Plus on va pouvoir prendre notre niveau dans le plus grand des calmes. Hop là, toutes les mains qui renaissent là. Mmh, quel plaisir. Un seul bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Pierre de forge 4. 4? Cool. Je suppose. Vraiment mal foutu ces bandes d'église. Hein. Mama, here we come again. Fait sombre, hein. Fait sombre dans ce pays là. Oh, une main là. Vous êtes sérieux? Heureusement qu'elles peuvent pas monter. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Ils sont là, les cons là. Eh bah ben non, faut la viser plus haut. Eh non! Oh, ça l'a pas stagger. C'est dommage. Oh, c'est dommage, c'est très dommage. Hein. Je m'en suis pris plein le fiac. Oh, la tunique du coucou. Et coucou! Salut à tous, c'est Fante. Faut que j'arrête avec les références obscures. Hop là! J'ai pas fait exprès, mais c'est très agréable malgré tout. Est-ce que c'est par là que... On essaie de me pranker. Je l'ai senti. Est-ce que c'est par là-bas? Parce que là-bas il y a un pont aussi. Encore? Ah non, c'est quand ils disparaissent qu'ils font. Il y a un pont là. Ça mène où ça? Pourquoi il y en a plusieurs? Je suis parano. Je deviens paranoïaque. Paranorak, ça mène au même endroit en fait, non? Mais là il y a un truc là. Est-ce que je peux sauter là, genre? Je vais essayer de ce pas. De ce pas assuré même d'ailleurs. Hop là, Jean-Luc aide. Mais qu'est-ce que... Alors c'est fort sympathique, mais... Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? On est d'accord qu'il n'y a pas d'échelle. Hein. C'est-à-dire que je suis censé me laisser tomber là. En toute... Ah oui, ça passe, en toute décontraction.
décontracté du slope. Là, je suis où, là? Il y a une échelle pour descendre dans un truc. D'accord, et là, c'est pour redescendre dans le jardin, donc. Pourquoi on aurait envie de faire ça, je ne sais pas. Et l'échelle, du coup, ça me mène en bas, là où il y avait la porte fermée, du coup. Je suis pas ose. Je suis pute. Oh! Un coffre. Coffru. Moi, ça. Je reconnais ça. Épée de la nuit ardente. C'est quoi l'épée de la nuit ardente? Posture nocteflamme. D'accord. On est censé savoir ce que c'est la posture nocteflamme. Comment on fait? Changer d'affichage. Vous saisissez votre épée et vous préparez à lancer une sorcellerie. Exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne ou une attaque puissante pour envoyer les flammes dans un, arc de cercle. Très bien. Étage inférieur du manoir. Oui, c'est là-bas que je dois retourner. Ok. Bon, et bien, on aura découvert quelque chose. Allons nous retaper tous ces soldats à la con. Non, par là. Ça va pas servir à grand chose, mais... On va pas se plaindre. Hein. C'est du stuff gratuit. Au revoir. Bye bye. Bye bye you. Aïe putain, j'ai sauté, j'ai roulé trop tôt. Il a roulé trop tôt qu'il a dit. Non. C'est pas grave. Épée droite seigneuriale. De la merde. Moi je n'aime que mes crochets qui font du poison. Un piège. It's a trap. Donc j'ai sauté par là pour descendre, d'accord. Maintenant. Est-ce qu'il va y avoir des prankers partout là? Je préférerais que non, mais... Oh! Bonsoir. Un arc runique. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Celui-là il y avait une grande épée, on l'aime pas trop. C'est quoi un arc runique? Ah oui, c'est pour équiper la rune majeure, mais j'ai pas de rune majeure pour l'instant, je suis un clodo. Donc du coup, pas de rune majeure pour moi. Ah vraiment les gars? Vous êtes épuisant. Allez, moi je m'en vais. Forcément j'en avais pas à l'aller, je vais en avoir en retour. Ah bien sûr. Non! Ah l'enculé! Oh! Oh non, Jean-Luc! Jean-Luc, nous! Ah, normalement, mes âmes sont en haut. Allez, allez. Ah le bâtard! Et je croyais qu'on pouvait pas tomber en tapant. Mais après, c'est peut-être pas moi en tapant avec mon élan, c'est peut-être le mob qui m'a poussé. Il m'a poussé! Ce grand bâtard. Bon, c'est pas grave. Les runes ne sont pas bien loin. Je vais juste buter les glands qui sont là, là. Hop! Et paf! C'est non. Il m'a touché. Ouais, dommage. Lui aussi. Deux fois, trois fois, huit fois. C'est pas grave, hein. Ça me dérange pas. Moi, si ça peut vous faire plaisir, je suis pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah oh, voilà, elles sont là, par contre. Non. Voilà. Tout va bien. Plus de mal que de peur. De peur. De mal. Bizarre l'ambiance, n'empêche, dans ces châteaux, là. Ils font un bruit chelou quand ils disparaissent, ça me trouble à chaque fois. Bâtard. Derrière moi, comme ça. Sans aucune honte. Ah, ouais, il va y en avoir d'autres à tous les coups. Attends, deux petites secondes. On va faire ça. Ça vous amuse en plus, hein. Ouais, ça les amuse, c'est con, hein. Oh putain de merde. Oh non, il y a des marteaux, il y a des rayas, il y a des machins, il y a des lasers. Calmez-vous. Aïe. Aïe.
Ok. Alors toi par contre mon vieux, il va y en avoir d'autres quand je vais arriver à tous les coups. Ils vont popper. Ça dégage hein. Ça va bien aller 30 secondes. On avait au courant quelque part. Qui a lancé sa caillasse de merde là. Allez dégage. Ils sont nombreux en plus hein. Avec leur piège à con là. Bon. Est-ce qu'on peut respirer? Y'a rien par là? Y'a vraiment rien par là? Ah non, y'a rien par là. Un peu décevant. Là, je comprends. Il peut pas y avoir des trucs partout. Hein. On peut pas tout le temps nourrir le joueur quoi. Avec des récompenses et des choses comme ça, ça serait beaucoup trop généreux. Et vu que c'est un jeu fait par des gens de droite. Très certainement. Ils sont japonais donc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, une grâce, c'est parfait. Bonsoir. J'arrive. Je me touche la grâce et je suis à vous. Hein. On va se reposer vite fait. Hein. On n'est pas à ça près. Bon, c'est joli, si. On dirait la cour du... C'est quoi? C'est des loups? Aïe, c'est des loups, c'est des loups, c'est des loups. C'est... Je frappe comme un sourd. C'est bon, il va mourir. Pas de panique, il y a le poison. Mais il m'en a quand même mis plein la gueule. On dirait à la cour de l'endroit où il y avait le... du fort 8, je crois il s'appelait. 8. On va le pranker. Attention. Le pranking c'est maintenant. Ah, t'attendais pas à ça hein. J'ai soif, je pense que c'est ouais. Je pense que c'est la soif qui me fait faire des trucs comme ça. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre raison valable. Qui explique mon manque d'habileté, manette en main. Bon d'abord lui. Étant fait. Ah bah les runes sont juste derrière son cul, c'est parfait. Dommage qu'on ait pas de cendre de guerre poussé. Ce serait extrêmement drôle. Ah bah, oh bah salut. Il est mort? Il est mort. Allez au revoir hein. On s'appelle, on se fait une teuf. Et j'ai réussi à le stun, tiens. Et le bruit du stun. Alors, est-ce qu'il y en a encore un là-bas? Vu. Est-ce que je peux le pranker, vous croyez? C'est quoi son pattern de mouvement? Ça a l'air assez, assez limité. Ah bah non, c'est pas si limité que ça. Non, par contre, on va se calmer, hein! Putain de merde! Elle rigole pas, le loulou, hein! Moi, j'ai de l'endurance, hein, j'en fous, hein! Je peux continuer à taper, y'a pas de soucis, hein! Tout ça pour un bourgeon à la con! Et des os fins de barrette! Y'a rien d'autre là-bas? Vraiment? Si c'est juste ça, je vais être très triste, hein! Ah, voilà! Un peu de lumière. Ah, il y a un lys de Michaela. Tout va bien. Tout va bien dans ce cas-là. S'il y a un lys, tout est pardonné. Putain, il faut aller voter demain. J'ai tellement peur de comment ça va se finir toute cette affaire-là. Bon, c'est que le premier tour, hein, certes, mais... Je suis vraiment pas à l'aise.
Alors, tout droit, il y a un géant et des connards. Quelques connards magiciens. Et par là, il y a quoi? Parce que moi, s'il y a moyen de... S'il y a moyen de gratter... S'il y a moyen de passer par ailleurs pour pas trop se faire aggro... Salut. Ça va? Grosse soirée, apparemment. Donc là, en bas, il y a les magiciens. De la graisse magique. Graisse magique. Par là, il y a quoi? Des connardos quelque part? Ah oui, attendez. On va le pranker. Je vais te sucer! Au revoir. Sucède. C'est moi. Vlad Tepes. Le vampire. Le vampire. Oh wow, qu'est-ce que je fais là-dedans? Parce qu'il m'a vu. Je sais pas comment il m'a vu, mais il m'a vu. C'est qui lui? C'est qui toi? Tu m'as pas l'air extrêmement sympa. Du coup je vais te tuer. Directement. Directement! J'ai l'impression d'entendre des gens. Mais c'est le géant. C'est le géant qui s'énerve tout seul. Hop les blagounettes. J'y attendais pas à celle-là. Hein. Ah c'est les parfumeurs. Ah oui c'est eux qui ont des carreaux explosifs. Alors il y a plusieurs... Là il y a un boss là. Je suis quasi sûr. Mais là-bas je ne sais pas. Je me demande si c'est pas la meuf la chevalier sur son cheval du coup. Oh non mon bouclier. Attendez, mais si je vais là-bas, je peux plus redescendre, je peux plus remonter du coup après. Ça va être terrible. Allons-y. Pardon ? Putain, j'ai cru que c'était dans le jeu pendant un moment, j'ai eu trop... Oh putain, j'ai eu très peur. Mais pas du tout, c'est dans la rue. Tout va bien. J'habite à Mulhouse. Et les gens crient toute la journée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Les gens ont une passion pour crier dans cette ville. Alors ici, il y a des pots. Des pots qui ne sont pas... Super sympa. Aïe, aïe, aïe. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, monsieur Po. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Pour toi, bah... Pas sûr que ça dure. Ok. Harry Potter. Un petit Po. Salut, mes bouts. Et bah, lâchez une claque. Mamie. Mamie, une petite claque. Si bête, ça. Encore un. Vous êtes légion les cons là. Ah oui ils sont vraiment légion hein. Il y en a une palanquée de ces idiots là. C'est bon. On peut respirer. Tout ça pour des fléchettes de cristal de mon cul que je n'utiliserai. Ouais si je vais peut-être les utiliser en vrai. Pas cracher dans la soupe. Donc on peut descendre là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Du stuff ici. Un pot fissuré. Ben voilà, je suis très content d'avoir trouvé un pot fissuré. Merci beaucoup. Maman, trouvez le pot fissuré. Pardon. Je ne voulais point vous importuner. Ok. Mais encore. Je pensais aller où là? Ça me fait un peu chier parce que du coup j'étais au boss et Et pas quoi. Je me suis barré comme un mongolo. Parce que j'ai vu un chemin de traverse, je me suis dit bah. Un autre chemin. Et ici nous allions le prendre. De manière totalement inappropriée. Ça? Oh les pots. Oh vraiment les pots. Elle est pauvre même j'ai envie de dire. Ok, est-ce qu'il y a encore des petits quelque part? Tant qu'on y est. Et où est-ce que ça m'emmène en vrai? Ça sert à rien?
Si je peux descendre là. Et en fait ça me fait ça. C'est une blague? Je redescends juste en fait. Il tournicote. Heureusement qu'il était en hauteur. Hein. Attends, attends, je vois pas frérot. Frérot pot. Fragment de vive jarre, viande de raviole de viande crue. Oh, ils aiment bien me donner des. Ça va? Oh, c'était pas clair. Hein. Il nous a fait un petit lever de bras. Un peu mal placé le frérot. Ah, je reçois pas de runes là, d'accord. Enfin, de recharge. Pas très bien. On va descendre, hein, si vous voulez que je vous dise. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, oh, j'aurais pas dû aller là, je suis deg. Mais en même temps, ça me fait aller là. Et pourquoi faire, je ne sais pas. Allons-y. L'aventure. C'est pour l'aventure. Autant j'aime pas l'aventure dans la vraie vie, autant dans le jeu vidéo. Grandeur de Karia. Karia. Pas très aventurier dans la vraie vie, moi. Vous savez, je suis un streamer. Mais je reviens là. Non mais sérieusement? La perte de temps? Bon bah retournons à l'étage supérieur du manoir. Je suis pas du tout dégoûté. C'est faux. Bon bah on va essayer de dodger les loups. Hein. On va peut-être pas tous se les refaire, ça a pas trop de sens. Puis ils sont pas très durs à dodge en vrai. Hop hop, dodged, dodged, on va prendre la petite échelle. Bon, on va dodge celui-là aussi. 1000 runes, ça sympa, mais bon, ça va pas nous faire la vie. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, ça va pas nous refaire la vie. Je suis très fier de cette expression. Pour absolument aucune raison. Ok. Ah oui, il y a lui là. Attention. Prankhead. En vrai, je vais juste courir, j'en ai rien à foutre. Je vais courir et puis je vais éviter ces cons là. Là. Pardon ? Excuse-moi ? Ah oui ! Et c'est bien elle donc. C'était à elle que je pensais. Je fais des dégâts de ouf ! Oh, ça va bien se passer, hein. Je m'inquiète pas outre mesure, là. Elle m'a pas touché, là ? Comment se fait-ce ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Quand même une fois, deux fois. Trois. Popo là. Aïe oui. Mal ça un peu. Ça suffit. Moi aussi je peux faire des trucs. Hein. Ah ça m'a touché ça. Intéressant. C'est-à-dire? Ah oh, beaucoup de lames. Hein. Pas la chanteuse hein. What the fuck? Pourquoi ça me... Le cul du cheval, le cul du cheval. On se casse. On se heal. Et non. Je suis agréablement surpris de réussir à tout dodge comme un genius là. Mais Jean-Luc quoi. En taille de Loretta. Ouais mais j'ai pas d'armes qui me permettent de faire ça du coup. Putain mais Jean-Luc, le génie en fait tout simplement. Mais je sais pas, je continue à penser que j'ai un niveau trop élevé pour l'endroit où je suis. Y'a rien là. Il
On a presque pas cassé de chaise en plus, vous vous rendez compte? Bon, bon, on prend level. Let's go prendre un level. Montée de niveau. Je peux en prendre un, on va partir sur quoi? L'endu. Va falloir continuer à monter la vita aussi, je pense, un petit peu. Bon, alors, où est la sortie? Hop là. Pour le principe. Oula. Alors, c'est-à-dire. Là, je sors du coup de... Je sors du château. Les trois sœurs. Les sœurs de qui? Il y a un dragon là-bas. Est-ce que j'en ferai pas mon petit goûter? Les sœurs de qui? Ah là là. Message de mes parents. Apparemment, il y a eu une petite pluie rafraîchissante. Quel plaisir, hein. Sœurs de qui? Pourquoi c'est fermé là? Est-ce qu'il faut que je bute le dragon pour que ça s'ouvre? C'est pas clair. Il y a autant de brume aussi. C'est pas très pratique pour naviguer. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il est où le Drake? Il est au-dessus là? Il se promène? Il fait sa petite vie de dragon? Écoutez-moi, pendant ce temps, je ramasse des lucioles. Je comprends. Ah oui, il faut que je monte par là, je crois. Ah, il est là. Bibou! Bibou! Non? Ouais, on va dodge ça, hein. Ah, 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 pardon le cheval. Pardon mon petit cheval. C'est jamais très agréable. J'en conviens. Comment ça? Il porte dans l'aile. Je continue à le taper. Hein. Il va bien finir par prendre le poison un jour. C'est un mauvais placement ça pour les pattes parce que s'il lève les pattes du coup, j'ai pas beaucoup d'endroits pour me barrer. Oh putain. Ah oui d'accord. Ah il fait mal un peu. Le frérot dragon là. Mais attends, tu veux pas aller te poser à un endroit où je peux encore moins t'atteindre? Il est où? Oh. Attends, attends. Attends, j'ai mieux. J'ai mieux qu'un dragon, j'ai... Un scarabée. Brume de givre, d'accord. Mais pourquoi mon dragon il s'est cassé? Il est parti où? Dorago! Dorago-san! Ah, je sais que j'étais pas très gentil avec toi, mais est-ce que c'est vraiment une raison pour se barrer? Ah, surtout qu'il s'est vraiment cassé le con, hein. Je n'ai aucune idée d'où il est parti. Ah, les trois sœurs, c'est peut-être parce qu'il y a trois églises. J'ai un vague souvenir, je crois. Ah, le loup. Oh, très méchant ce que je viens de faire. Ah bon. On va prendre les eaux fins de bête. Parce que les eaux de bête, eh bien, ça permet de crafter des fléchettes empoisonnées. Est-ce que je suis encore? Oh, oh c'est agréable de voir ça. Ça fait plaisir ça. Petite Grâce. Grâce Kelly. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un ascenseur, tiens. Ah vraiment, on se fait plaisir. On s'émerveille de peu de choses chez nous. Hein. Oh mais c'est Micheline. Attends, y'a pas un coffre là? Non? Y'a juste Micheline. Oh. Again we cross paths. Bah oui apparemment. It pleaseth me to see Torrent tarnished. I have no memory. Sans raison particulière. Oui. Le destin, oui. Thou enter into my service. I am the witch Rani. I stole death long ago and search now for the dark path.
Ah, je suis pas sûr, hein, le Dark Pass, moi. Ah, quoique, le purger de ce qui existait précédemment. J'avoue qu'une petite 6ème République... Ah bah écoutez, écoutez. Voilà. On va mettre en place la 6ème République. Oui, bah attends, je tue l'homme de pas... d'aucune sorcière. Ah oui, Blade, il travaille pour elle. Ah, mais Iji, c'est son pote. Oh, bon. On peut te parler encore? Tu peux pas me donner du stuff, genre? Tu peux pas me donner des trucs? C'était une sorcière Micheline magique qui a volé la mort et tout. Elle est même pas capable de me donner quelques âmes? Quelques runes? C'est honteux. Sachez-le. Bon, ils sont où les trois cakes? Pourquoi il est fantomatique? Oui, Iji, on t'a déjà vu avant. Ok, mais tu forges? Ah non, tu forges pas du tout. Tu ne forges pas, Guy. Et pourtant, Guy forgeait. Ah oui, mais c'est des versions fantomatiques de même, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord, c'est des projections astrales, quoi. Ok, donc après il faut qu'on aille dans les bois brumeux. Oh, on pourra faire ça en vrai. Hein. I see. Provincial, ok. Je vais te buter. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Oh oui, t'inquiète, je vais venir te voir. Hein. Provincial, il va venir te voir, t'inquiète pas. Quoi? Allô? Mais... What? Mais pourquoi je peux pas partir? C'est quoi ces conneries? The fuck? Mais... Pourquoi je peux pas me casser? Je peux pas me TP non plus? Où je retourne voir Rani? Ouais, t'inquiète. T'inquiète, on y pense. Ok. Ah, si je me repose, peut-être après seulement je peux sortir. Ah oui, ils sont plus là. Donc avec un peu de chance... Je peux me casser là, c'est bon? Oh, merci. Oh, j'ai eu un petit doute là. Et il est parti où, mon dragon? Je voulais buter le dragon. Allons voir la troisième église. Si déjà on n'a pas le droit de tuer les dragons dans le jeu. Oh, j'aimerais tellement être Jean-Luc, le pourfendeur de dragons, quoi. Qu'est-ce qu'il crie là? Donc la troisième tour, elle est là. Là. Elle est fermée cette tour là. C'est actuellement bloqué. D'accord. J'avais plus ou moins remarqué, merci beaucoup de me le faire voir. Ok. Y'a quelque chose par là? C'est juste un joli terrain. Mais est-ce que Rani elle va me détester si je le bute le magicien là? C'est Luvis le con là. Le vieux gars insupportable. Il y a des loups. Très bien, des loups. Des cons. Scarabée de mana. Où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais si je... Il y a des squelettes aussi qui sortent de terre. De manière complètement aléatoire. Je vais où là? Ok, il y a tout un terrain ici. Y'a quoi? Y'a des trucs à faire ou c'est juste de l'emmerdement? Un cimetière? Y'a peut-être un peu de stuff dans le cimetière du coup? Autre que du caca? Non, c'est pas du caca, c'est de la résine de racine, pardon. J'ai peut-être parlé un peu vite. Allez, muguet, on s'en fout un peu, hein, on joue pas invocation donc.
quand même les prendre, mais c'est pour le lore quoi. Les squelettes, on s'en branle, on va pas se les faire. Ils sont bien trop fatigants et hostiles pour moi. Je ne suis pas un homme de guerre, je suis Jean-Luc Mélenchon, n'oubliez pas. C'est de la résine, je sais pas encore à quoi ça va servir, mais ça doit servir à quelque chose. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les albinoriques? Oui, c'est eux les albinoriques, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon ref? Il montre un truc, lui, non? Un couvre-chef d'érudit néophyte. Une larme larvaire. Ok. I don't know what it is. Larme larvaire, c'est très joli à dire cependant. Oh, moi je ramasse tout ce que j'ai à ramasser. Hein. On va se limiter. Hein. Je suis pas venu là pour looter, mais. Ah, y'a un truc là en bas, c'est quoi? Dire un loup géant. Ça a pas l'air bien sympathique par contre, un loup géant. Mais y'a une geôle aussi, incroyable. On va se faire la geôle. Et après on ira voir Selvis le con. La geôle éternelle de la tombe royale. Rien que ça. Mais voyons voir. Hop les. Il y a des geôles partout. Il y a des gens enfermés partout dans ce jeu. Pourquoi ils enferment des gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est qui toi? Aïe! C'est quoi ça? Oh! Ok, ok. C'est tout ce qu'il fait. Ouch. Il délaye beaucoup, hein, le bâtard. Et il dodge aussi. Mais ça suffit! Ça suffit, monsieur. Ça, je dirais que ça s'arrête maintenant. Est-ce que je peux t'approcher, s'il te plaît? Apparemment pas. Apparemment, j'ai pas le droit au bonheur. Ah, j'aurais dû rouler. On va faire ça comme ça. Hein. Pardon, excusez-moi. On a capté que ça le... Que ça le stun, le frérot. On va continuer à faire ça. Hein. On va sécher les pouces un peu là et puis. J'aurais dû rouler. Ok, j'ai été un peu greedy mais en même temps, bon. À un moment, faut qu'on avance. Hein. Mais elle a pris le poison. Désolé, excusez-moi, je savais pas que vous habitiez ici. Non, je voulais rouler mais c'est raté. Il a le poison là ou pas? Parce que moi s'il a le poison, bon, voilà. Au revoir. Bonne soirée. Météorite. On gagne beaucoup de sorts hein, dans cette région. Bon, en même temps c'est pas déconnant étant donné que c'est une zone de magicien. Est-ce que j'ai des news de ma vie? Non. Ok, donc ça c'est fait. Alors? J'ai que 10 000 âmes, what the fuck? J'ai quand même l'impression de pas évoluer des masses dans ce jeu, moi. L'impression qu'on m'aime pas trop. Il y avait le loulou géant. Oh, c'est joli. Là-bas, il y a une mine là. Là, je peux pas descendre donc ça c'est réglé. On va aller se faire le loup géant. Ensuite, on ira voir Selvis le con. Attendez. Vu la rune. Honte. Allez.
ça pour une rune dorée 1, bien sûr. Ah oui, sont où les loups? Je vous ai vu, hein, pas la peine de vous cacher. Là en bas. Il y a des personnes loups. Ok. Pardon? C'est un loup qui lance des sorts lui. Ah il fait mal en plus le con. Ah ça me gratte, j'ai la bouche qui me gratte. Et le poison, c'est bon. Oh, je veux d'abord buter les petits là. Les petits, les... Oh bordel de merde. Mais lève-toi. Mais Jean-Luc. Je sais pas ce que je fais. Je le vois pas, je sais pas. Et putain mais... Et vise-le. Ok. Fallait pas sauter là je crois. Oh putain de merde, il est... Il a l'air énervé. Oh. Mais pourquoi? Et l'autre qui m'a déconcentré. Dégage. Non, je t'ai mort. Alors. On va avoir un problème là. On va avoir un petit problème là. C'est qui ce loup? C'est quoi ces notes? Oh non, je suis une voix à l'autre bout du monde. Attendez, on va aller voir la tour de l'autre con là. Qui dit, je réside dans une tour non loin d'ici. Il venait me voir si l'on vous en prend. Connard provincial. Non, bon, on va laisser le faire le loup, il n'y a pas moyen. Hein. J'aurais bien aimé me faire le dragon aussi, mais bon, apparemment, on n'a pas le droit. Pas le droit au bonheur ici donc. Cette tour là, la sienne, elle était fermée avant. Donc si ça se trouve maintenant en tant que sans éclat provincial, je vais pouvoir rentrer quoi. Chez Connarman. Est-ce que je le bute? J'aime pas du tout ses manières. Ah il est là. Tiens bonjour. Je vais le crever. Frérot, Il est mort? Oui, il s'est juste barré. Tu avais l'air d'être un sacré connard en tout cas. Mais pourquoi je devrais injecter un truc à Néphélie Lou? Ah pas non. Elle m'avait l'air très sympa cette jeune femme. Ça pour trouver encore un truc de merde, genre un mémolite. Les magiciens, je vous jure, tous les mêmes. Ok, cassons-nous. Et du coup, on peut pas le buter. Pitié pas la mort. Ça va, c'était pas assez haut. Oh, ça m'aurait fait chier de perdre 10 000 âmes quand même. Pas beaucoup, mais ça m'aurait fait chier quand même un petit peu. On va se le cacher. Bon les loups là. C'est quand même bizarre ce dragon qui disparaît. Moi je trouve ça louche. Le loup il est chiant parce qu'il est tout le temps en range. Et du coup étant donné que je joue Lucac, c'est compliqué quoi. C'est compliqué quoi. C'est beau ces falaises là, complètement déchirées, aussi bien au-dessus qu'au-dessous. Yep. Ah oh, c'est une blague. C'était une boutade. Par contre lui là-bas, pas de blague. Hein. Ouais ça dégage. Et paf, 43 runes, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il y a une grâce ici, mais putain mais je l'avais même pas vu. Je suis vraiment aveugleman. Hein. C'est incroyable. J'aurais pu simplement revenir là. Du coup, je sais pas comment faire pour le buter. Est-ce que je dois rester à cheval ou est-ce que je dois... C'est pas clair. Est-ce
que je dois rester à cheval ou est-ce que je dois partir à pied? Ah si, je suis très net. Par contre, tu allais prendre tes runes, hein. Allez, Jean-Luc, comment on se motive? Ah, c'est lui, là, avant, qui m'a effrayé, là. Est-ce que je peux crafter des trucs sur mon cheval? Oh, incroyable. Avec des offins de bête, je peux faire des fléchettes en os. Bah, c'est super. Je suis vraiment ravi de le savoir. Ok, je me casse. Et putain, mais... Oh, il m'a démonté. Littéralement. J'étais monté, il m'a démonté. J'étais bien monté en plus. Pardon. Je veux me barrer. C'est possible? Ou pas du tout? Et putain, mais... La caméra de mon cul! Et attends, mais c'est un boss? De quoi s'agit-il exactement? Il tape vite. Il tape vite, il tape fort. J'aime pas du tout ça. Mais putain, mais stop! Tu t'arrêtes des fois ou jamais? Jamais apparemment. Là, je voulais me soigner. C'est un échec. Mais stop! Mais il sort d'où l'autre connard? Mais putain! Mais ils sont combien, Jean-Luc? Oh non, Jean-Luc! Mais il y a le Cirque du Soleil aussi en même temps là! J'aime beaucoup les intermittents du spectacle, mais quand même, c'est pas une raison! Excusez-moi. Possible que ça m'agace un chouïa. Il tape tellement vite le con. J'aime pas trop ce que je vois. Je vais devoir buter. Il y a un truc là-bas, non? Rien du tout. Je vais vraiment devoir buter les intermittents du spectacle là. Pas très envie moi. Ils m'ont l'air plutôt sympathiques. Est-ce que j'irai pas d'abord récupérer ça là? Tous les coups c'est de la merde. Je le savais. Ok, maintenant. Putain, il tape vite le con. Super. Ça, je me le prends à chaque fois le premier coup, hein. La comète là? Quoi? Ah, stop le loup, hein. Voilà. C'est douloureux, mais le poison ça fait le taf des fois. Hein. Et ça rapporte rien en plus! Mais pourquoi est-ce que je m'emmerde en fait? That's that true crash. Pourquoi il a les yeux jaunes lui? T'as les yeux jaunes? Ça m'intéresse. 820 âmes? Combien? Ah bah c'est bon à savoir les gens qui ont les yeux jaunes, hein. Attends quoi? Il est où? Il est loup? Loulou. C'est loulou. Toi aussi donne-moi 820 âmes. Il a pas envie. Bon par contre il m'a rapporté des trucs. Ok, des potions. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire du coup? Donc ça c'était fait. Donc maintenant, nous ce qu'on voulait faire, c'est aller enfin à Raya Lucaria. Enfin. Il y a plus que temps. Après une heure de game. Bon, le Chatal. Maxime Chatal. Est-ce que j'ai pas des trucs?
cherchant des runes que je pourrais prendre. Est-ce que je pourrais pas monter de niveau en vrai? C'est ça la grande question en fait. 23? Comment ça se fait que j'ai 23 runes? 4600 âmes quand même. Oh les runes niveau 1, faut pas les... faut les ignorer quand même. Voilà. De quoi faire. On va un peu pump up la santé. Oh quoique en vrai. Vas-y force. Ah pour l'instant c'est vraiment un build one-head hein. C'est force, dextérité, santé. À quoi bon le reste quoi. Vigueur, esprit, on s'en fout, force, endurance. En Dieu j'ai pas grand chose, pourquoi j'ai 13 d'ailleurs en endurance. Le coup final des enchaînements d'attaques. Est-ce que j'ai pas quelque chose de mieux? Augmente l'attaque sacrée, on s'en fout. Améliorer les contre-attaques, on n'en fait pas. Améliore le coup final des enchaînements. Les attaques chargées, la résistance au feu. Non, le reste c'est pas ouf. Hein. Ce qu'on a pour l'instant, en tout cas, c'est pas dingo. Allez, laisse bien go. Oh non, faut que j'aille pisser. Oh, c'est très joli. Hein. C'est très très mims. Bon, allez, c'est parti dans le chatal. On a attendu bien trop longtemps avant de venir ici. C'est le moment. C'est ton moment, Jean-Luc. Je pense très honnêtement que l'endroit va pas forcément me poser beaucoup de problèmes. On verra, mais... que je parle trop vite. Mais Inch'Allah ça va aller. Hein. Par contre ce qu'on peut faire direct c'est ça. Hop. Des gens? Personne. Mais c'est très joli. Hein. Il y a personne. C'est des casteurs non? J'ai rien dit. Je casse les couilles. Ils m'ont enlevé mid-life les bâtards. Hein. Bon, ça va, j'ai ma régène avec ma potion. Y'a encore un là-bas? Y'en a d'autres ou un? Ah, c'est bien ce que je me disais, ils pouvaient pas être tout seuls. Je vais me le faire d'abord. Hein. Ah, ah, oh, ah, comment? Combien? Pardon, hein? Ça dérange pas de m'enlever des points de vie comme ça, comme des enculés. Ok, bah c'est les magiciens qui les font eux du coup. Ça fait sens. Non, non. On se calme. On se calme, on se galbe même d'ailleurs. Bonjour. D'accord. Ah oui. Il y en avait encore. Je sais pas où il était caché, mais il était là quelque part. Trésors partout. Ah j'aurais pu aller augmenter mes armes tiens chez le forgeron je pense. J'ai combien de pierres? Elles sont où les pierres de forge là-dedans? Deux, j'en ai 14. J'ai 6 pierres de forge 3. Il y a peut-être moyen. Hein. Ah voilà parfait. Parfait, on va pouvoir se TP direct. Enfin peut-être que je pourrais me TP. Là je suis où là? Je suis dans l'église du coucou. Bah let's go. Il y a un petit bruit derrière mon ventilateur. Non, mon ventilateur. Derrière mon micro c'est le ventilateur. C'est le ventilo qui tourne. Et tout va bien. Il faut qu'on aille voir le clair bestial aussi. Le clair. Non je suis toujours pas mort. Non je peux pas. Ah, il me faut des pierres de forge 4. Bah c'est pas pour tout de suite du coup. Hein. Ah il faut que je lui parle de Rodrika tiens. Non je vais pas te vendre des trucs, je vais te parler de Rodrika. Je crois qu'il y a moyen de les faire travailler ensemble.
still look, it's not easy. You're telling me? I don't believe. If I do have, I suppose I'll ask my certainly he does. I know he's. I can tell. Très bien. Ok, let's go. Alors, paf, église du coucou. Coucou. Je sais pas pourquoi je fais ça. Aucune fucking idée. Ok, là on était, c'était là où il y avait les connards. Après des connards, il y en a un peu partout. Hein. Je crains que, qu'on n'ait pas fini d'en croiser. J'aime pas être à l'extérieur, je sais pas pourquoi. Y'a quoi ici? Des omblards apparemment. Non mais... Tape celui qui est à côté de toi, voyons. Sans âme, sans rune les connards là. Oh! Ah mais c'est vrai qu'ils sucent du mana. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu en vrai? Je vais me heal sur leur gueule. Par contre, c'est les petits prankers. Hein. Réplique de grâce? C'est quoi la réplique de grâce? Non. Révèle un raid de grâce perceptrice. Aucune idée de quoi ça peut bien servir. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire tous les omblards à la con là? Je suis pas sûr, mais en même temps, c'est drôle. En même temps, ils sont là, ils rapportent des runes quoi. Ils sont un peu gratos les frérots. Même s'ils font des pranks, ils sont pas bien méchants quoi. J'en ai vu un là aussi. Qui se cache dans les fourrés. Attendez. Il y avait un truc. Ah oui, bah d'accord. Du monde là, oh, se calmer un moment les gars. Ah mais, laissez-moi tranquille, j'ai plus de mana à vous donner. Je vous ai tout donné. Je vous ai déjà tout donné. Mais... Et putain mais aim le bon. Voilà, on frappe les deux. Oh là, épuisant. Foie séché anti-magie. Bah, je peux bouffer du foie. Voilà. Je suis bien content de savoir ça. Qu'est-ce que ce bruit? Ah c'est eux là. Mais oh, mais il me suce encore. Non mais non, par contre non. Par contre ne me faites pas. Il y a un chien de merde, je l'avais pas vu. Un chien pourri. Par contre, me faites pas tomber du poumon. Ce serait très peu cool de votre. Mais les gars là-haut. Pâte en saumure. Pâte de volaille en saumure. Ouais, très bien. J'ai pris quoi là? Pourquoi je prends des flèches? Ça sort d'où ça? Arrêtez! Ah, mais c'est les connards d'en haut là! Tire encore dessus, mais vous êtes à 8 km les gars, calmez-vous. Oula, petit lag. Hein. Oh, ramène le chevalier de Caria. Ça fait quoi ça? Enfin, ça fait quoi? On se comprend. Elle est où? Ah, c'est pas si ouf. Hein. Ah, je m'attendais à mieux, tiens. Ça, c'est pas mal, par contre. Ça, c'est pas mal en gagnant tout sauf en foudre. Vas-y, on va prendre ça. Les jambes sont pas ouf non plus. Bon, le casque, on peut pas le changer, sinon on perd Jean-Luc. Hein. Ce serait con de perdre Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allô? Ça va? Pour se faire, il est gratos. Hein. C'est un frère.
Ah, c'est ça qui fait ce bruit là. On a un cœur. Attendez, quoi? Un coup B? Une petite rune dorée, merci. Ok, ok. Est-ce que je vais me faire pranker par des connards? Y'a moyen. Non! C'est non! Ok. Mais. Hey. Tu sors d'où? Ils en font un potin de merde en plus quand ils sortent du sol. Ils mettent 3 plombes, les cons. Ouais, il y a le temps qu'ils mettent à sortir. Ouais, bah. Ah, il m'a touché. Ah, le petit bête. J'entends un. Le loup, le renard. Oh là là, mais pourquoi ça rame comme ça là? Ouf, à moi ça. À moi ça, la lance spectrale. Pas sûr que ça me serve à quelque chose, mais à moi. C'est bizarre ces petits lags que j'ai là. Quand je me penche au-dessus du chemin. Il y a quelque chose. Ah oui, il y a un truc là. Un champi, sérieusement? Je me fais pranker par un chien pour un champignon. Est-ce que vous foutriez pas de ma gueule un peu? Est-ce qu'on peut pas crafter des trucs là? Qu'est-ce qui peut être intéressante? Intéressant, pas intéressante. Une boulette cicatrisante. C'est contre le saignement ça? Bon, vas-y, on peut faire ça. Du coton doux. Le reste, c'est pas ouf. Hein. Améliore temporairement la résistance au feu. Si ça, on peut faire. Alors, on va prendre des trucs qui nous permettent d'avoir des résines. Mettre sorbier séché. Bah, c'est tout, je crois. C'est tout ce qui me permet d'avoir des résines pour l'instant. L'hérésie. Ok. Ah oui, là-bas il y a un connard. Un seigneur de Nyx, je sais plus comment il s'appelle. Comme celui que j'ai déjà buté avant. Oui, c'est bon, je connais. Je connais la maison, je suis déjà venu. J'ai déjà croisé ton frère un peu plus tôt dans la journée. Respect. Puis gravitationnel. Bah, c'est superbe. Vraiment content de le savoir. Ça fait mal quand même un peu, hein, Michel. Là. Donc là, deux têtes, il faut que. Non. Ah, je peux pas prendre de cheval ici, c'est vrai. Ça sent la weed. Pourquoi ça sent la drogue? Deux têtes, il faut que j'aille là. Là-dessus, là. Et au prochain. Hein. On prendra le prochain. J'ai un petit peu le vertige, désolé. Hop. Il y avait un loot. J'ai vu un loot là, non? Il faut que je descende où? Mon arrêt, c'est là? Apparemment, c'est là. Ils sont plus haut, c'est trop haut donc. Bonjour! C'est les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il faisait là tout seul, le con? Ah mais c'est peut-être pour nous dire qu'on peut redescendre quelque part par là. Peut-être. Peut-être que j'ai fait de la merde aussi, on sait pas. Maman. Ah, j'ai très certainement fait de la merde. Hein. Ah, quoique, peut-être là. Ah non, je pense que j'ai fait de... Ah si. Ah si, si, c'est bon. Je vais peut-être pas retomber direct en bas, c'est cool. Mais ça me met nous, ça. Je suis où, là? Et du coup j'ai raté toute une partie. Ah non, je peux remonter là, d'accord. Attendez, je comprends pas. Ça servait à quoi? Pas de pranker ici, y'a rien? Pas des trucs cachés en contrebas? Non. Ok. Bah écoutez, on va visiter ce niveau, on tournera tout en haut après. Je suppose. Je sais pas pourquoi j'ai fait une roulade. Mais j'ai déjà ici. Mais... Non mais attends, j'étais déjà là?
Parce que l'endroit me dit rien en vrai. Je veux juste qu'il y ait des macabées par terre. Ah si, mais j'ai déjà dû... Oh mais non. Ah mais ils vont se réveiller après à tous les coups les connards. Regardez, se réveiller là. Bien sûr qu'ils se réveillent. Et bien sûr qu'ils se réveillent. Il y a l'air d'en avoir quelques-uns, des petits cons. C'est qui ça? C'est quoi ce Nimbus 2000 là? Allez, ça dégage hein. Non merci. Tout ça pour deux pauvres runes là. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est décevant. Mais il y a un truc dans l'esprit quand même. Hop les. Ok, bon. Ceci étant fait, maintenant. Il faut que je retourne tout en haut. Oh là là, quel air fier quand même. Quelle fière allure qu'il a, notre Jean-Luc. Maman. Il faut pas que je rate mon arrêt quand même, ce serait dommage. C'était là. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ouais, fallait pas me faire chier. Vous servez à rien vous, non? Je me trompe? Je me trompe ou vous servez à quelque chose? Des fléchettes de... Encore des fléchettes de cristal, mais qu'est-ce que je... Ça me fout. Oh, y'a un truc là-haut. Vu. Bah je peux pas grimper là. Je peux pas appeler mon taurin. Oh, je suis deg. C'est violet, ça a l'air bien. Peut-être un autre moyen de passer après. Bon, déjà il y a une grâce, ça c'est cool. Ça c'est une très bonne chose. On va se reposer, on n'a pas des enfants. Pas monter de niveau pour l'instant. Oh, pardon, excuse-moi. Je vous avais pas vu. J'ai failli vous manquer de respect et vous ignorer complètement. Ça aurait été terrible. Est-ce que ça c'est pas un prank ça par hasard? Quelqu'un? Alors ça va être un prank. Non? Ok. Bah écoutez, d'accord. Manuel d'artisan des pierres d'éclat, ça me permet de fabriquer des trucs, c'est ça? Ouais, des trucs de magie dont je me fous en fait. Super. Hop! Frankex. Non, c'est non. Pas de ça chez moi. Pas de magie chez moi. Les bâtards. Oh là là, stop! Ils ont combien de mana, c'est con? Arrêtez, vous aurez plus de mana bientôt. Je roule, hein. Moi je fais des petites roulades. Ça me va bien. Ah, bah ils ont un pot avec eux. Le bâtard! Se calmer, hein. Va falloir se calmer, hein. On va se mettre ça là. Et il me tape avec un livre? Il est encore un. Il est où le con? Ah, il est là. Non, non. C'était trop près de moi. Des os. Des os, pas des os. Quoi, un coffre? Piégé, c'est ça? Non. Putain, un pot, quoi. Un pot loco. Ok. Mais. Sors d'où ce con? Vous êtes combien là-dedans? Calmez sur la quantité de gens, hein. C'est pas parce que vous êtes beaucoup que c'est une bonne école, hein. Il est là-haut, lui.
connu des écoles où il y avait beaucoup de gens, c'était nul. Poudlard, genre. Entre autres. Ok, c'est bon ? Calmez ! Calmez les cons, là ! Seigneur Dieu. Oh ! Sérieux ? Je me suis dit, tiens, une étagère sans livre. C'est étrange. Il y a un boss, on va peut-être pas y aller direct. Hein. D'abord aller voir ce qu'il y a derrière l'étage. C'est un peu inquiétant. Est-ce que je vais me faire pranker ? Ok, c'est cool. C'est un piège ça à tous les coups. Roule, roule ! Oh, c'est bon. Comet ! Une échelle en plus ? Ça m'emmène où ? C'est la bibliothèque secrète de Rayel ou Gallier. Allô ? Y'a rien ? Mais c'est sérieux ça ? Y'a une échelle qui mène à rien. Mais c'est pas possible. On va faire un tour. Je vais péter tout ce qui est sur mon chemin. Car je n'ai aucun respect pour. Les petits malins. Ah, les petits malins. Les petits malins, oui, oui. Ça, on met nous, ça. Oula. Vu le pot, hein. Désolé, tu es une menace. Je me disais aussi, c'est pas possible qu'il y ait personne comme ça. C'était trop louche qu'il y aurait... s'il y avait eu personne. Encore des pots là. Ils font quoi ces pots d'ailleurs? Ok, et là? Talisman de l'amalgame sculpté. Augmente la puissance des sorcelleries. Putain, trop bien. Ah, mais j'avais eu ça, je crois, quand j'avais fait ma run. Par une sorcière, ça me dit quelque chose. Ah et là je reviens là où la porte était fermée du coup. Ce qui fait sens. Oh, par contre le boss pour y aller... Ah j'ai plus de... J'ai plus ma fiole machin là. Le boss pour y aller faut buter tous ces cons là ou alors on peut juste les dodge. Peut-être les dodge. Bon. Eh ben c'est parti. C'est quoi ça? Ah oui. Ah mais on le connaît lui. Ah non, on le connaît pas, j'ai rien dit. Ah, par contre, il prend. Oh, il prend la bite, frérot. Ok. Eh bien au revoir. Un mémolite, vraiment? Je viens de me taper un loup géant avec une épée de feu et je reçois un mémolite de merde. Le jeu m'en veut. Hein. Le jeu m'en veut, je pense. Hein. Bon ouais, pas très compliqué ce boss. Hein. Je pourrais monter... Oh non, si, il faut que je monte de niveau parce que si je crève derrière, je vais avoir les nerfs. Ah ouais, si on va prendre un peu de vitalité... Ésotérisme, foi, je sais plus ce que ça fait tout ça. Foi c'est les dégâts, mais des dégâts de foi uniquement ça m'intéresse pas. Faudrait que je prenne de l'endu en vrai, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai 10 d'endu, c'est honteux. On va peut-être monter l'endu plus tard. Je sais pas s'il y a des paliers nécessaires par exemple pour la vitalité. Auquel je peux aller et après je peux m'arrêter tranquille pour un petit moment. Ça sent la bite ici. Non, pas de bite en vue. Pas pour l'instant. No bite for now. C'est quoi ça? Ah, c'est des cons qui bossent. Aïe aïe aïe.
En vrai, je rate sûrement plein de trucs du jeu, hein, mais. Mais stop! Je me fais bolos par des pots. Au secours. Je vais quand même pas me faire buter par des pots. On en est pas là. Presque, hein. Presque buté par des pots. Au revoir. Fragment de vive genre. Ils viennent d'où ces jars? C'est qui ce Jean-Michel? Alors, attendez, on va pas passer dans la cour tout de suite, on va d'abord aller voir ce qu'il y a dans les alentours. En hauteur. Peut-être quand même ce île finalement. Hein. Parce qu'on les voit les magos là-haut qui vont nous envoyer des sorts de merde tout du long là. Ok. Le plus chiant est fait. Il y a un magos là-dedans aussi. Bonjour. Malheureusement, au corps à corps, tu ne fais pas le poids, je crois. Lame d'affûtage de pierre d'éclat, d'accord. Donc ça, je pense que c'est pour mettre des effets de magie sur notre arme. Cependant, j'en ai rien à foutre. Ils ont vraiment rien sur eux, c'est vraiment des clodos du village. Voilà. Qui lui. Bonjour. Oh, t'as rien fait mon frérot. Hein. C'est dommage pour toi. En vrai je peux sauter sur le toit là. Ça y est, ça commence, c'est parti. L'exploration intense. Encore un là-bas. Bonjour. Dumbledore, Griffon d'or. Ange des morts. Ok. Soit. Et du coup, si je saute sur le toit, ça fait quoi? J'ai très envie d'essayer de sauter sur le toit, m'en veuillez pas, s'il vous plaît. En tous les cas, ce sera pas de ma faute, c'est la vie. C'est la vie que j'ai. Oh, une graine dorée là. C'est pas moi qui a lulu, hein. C'est vraiment une graine dorée. Gardée par des idiots du village. On va peut-être prendre ça d'abord. Ça va me permettre d'avoir une fiole de plus, hein. on va pas cracher dessus. Bon, et ensuite, allons sur ces toits là. Oh putain, il y a une. Je sais pas ce que c'est, mais. Elle est là. Une dame qui a l'air énervée. Avec des lames au bout des bras. Mais j'aurais pu passer par en bas tout de suite, je suis un idiot en fait. J'ai ouvert la porte mais j'y suis pas allé pour autant. J'ai refait tout le tour comme un con. Hop! On the roof! Qu'est-ce qu'il y a sur ce toit là? Forcément des trucs. Sinon on pourrait pas y aller de manière aussi... Ah non, faut pas emmerder longtemps hein, les cons là. Very very well. Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Je suis sûr qu'il y a un truc de l'autre côté en fait. Je suis sûr qu'ils ont été assez pervers pour me planquer un. Hey Jean-Luc, t'as une flèche dans le bras? Voilà, je le savais. Peut-être même qu'il y a un prank. Non, ça va. Jean-Luc, t'as une flèche dans le bras? Ça va? Ça va Jean-Luc? Bon, ça a l'air d'aller hein. Ça a pas l'air de le gêner outre mesure. Voilà, il l'a perdu, elle est tombée. Elle est tombée, c'était une flèche de lait. Ah, mais je suis où? Ah, oui, il y a des connards. Hein. Ah, des connards. Hein. Nul à chier par contre. Oh non. C'est quoi cette merde? Ah, d'abord, buter lui. Un peu plus chiant là. Ah, par contre, le saignement ça y va là. Ah, par contre non. Oh le con. Oh le con. Oh je me suis laissé débuter par des petites merdes. Oh bah non. Oh bah non, j'aurais dû me barrer en fait. J'aurais juste dû me... C'est quoi ces bestioles là?
C'est trop bizarre. J'aurais juste dû me casser en fait. Au lieu d'être con et de grider comme un gros porc. Ah, je reprends là, putain. Bon, ça va, c'est pas loin en fait. Et je crois que le chemin normal c'est monter par là en fait. Par cette rampe là, cet escalier. Je crois que c'est le chemin classique entre guillemets. Oh, par contre, moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. J'y vais en courant. Hein. Rien à foutre les gars. Non. Toge de Raya et Lucaria. Ah bah superbe. Je vais pouvoir me toger. En toute sérénité. La cure sérénité. Ok, toi on t'a vu. Très bien. Flèche. Des flecs. Y'a quelque chose par là? Ah non. Quelque chose par là? Oui, mais je vais éviter de sauter parce qu'il y a un trou. Du coup, on va peut-être pas faire ça. Ah oui, pardon. Oh, ce serait bien qu'il monte tout seul les échelles en vrai. Arrête de faire ça, Jean-Luc! Ça sert à rien de lâcher des claques aux échelles. On te l'a déjà expliqué en plus. Il se réveille lui? Hey, stop! Ah, j'ai réveillé juste l'autre, parfait. Ah, écoutez, c'est excellent. Comme ça, on va juste se faire lui là. Et puis les deux petits dans un second temps. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il a réussi à me toucher avec ça? Non. Cette chercheuse un peu son truc, non? Ouais, non. Non, par contre, non. Par contre, c'est non, c'est... Tu m'emmerdes. Fais chier tout le monde. Ah non, c'est fait un par un. Ce sera très bien comme ça. Par contre, ils ont un peu de range, les petits bats là. Ça veut dire que je suis mort là-dessus comme une merde. Il est possible que je m'en veuille. Mais 20 000 âmes là, ça m'aurait fait mal de les perdre. 20 000 runes, pardon, c'est vrai que c'est plus des âmes dans ce jeu là. Carreau météorique. Météoritique. Ok. Ah, tes souhaits. Y'a des gens en bas? J'ai pas l'impression. Alors, pas par là. Y'a beaucoup de chemin quand même, hein. Personne. Un connard là. Hey Yonk, ça suffit? Alors que ça cesse, hein. Ramion de se. Ciao, Pantin. T'avais la ref? Ça va, Jean-Luc? Ça va, Boromir? Tranquille? Mais y'a un truc là en bas. Oh là là, y'a des chemins partout. Faut que j'arrête de prendre tous les chemins que je vois. Ça va me coûter cher un moment. Ouais, oui, mais il y a clairement un chemin par là, quoi. Je n'ai. Il y a des trucs partout! Mais au secours, en fait! C'est quoi ça? Oh, très bien ça, c'est cool. Là-bas, il y a un crabe en bas, on a vu qu'il y avait un crabe chelou. Il y a quoi là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, si t'es sur le bord de ta vie. Ok. Donc là, on peut soit descendre, soit sauter par là. Je vais sauter par là parce que je suis très aventureux. Et plus rapide que lui. Ah mais du coup je peux rentrer là. Oh putain, mais je sais pas où je vais. J'ai un FOMO horrible, j'ai l'impression que je vais rater la moitié des trucs en fait. C'est infernal ce jeu. Ah, le FOMO dégueulasse quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Il sort d'où ce con? Là je pense que c'est un peu bas pour sauter.
Ah bah on va rentrer par une échelle, hein. Par une fenêtre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là y'a rien du coup. Là c'est juste pour te dire c'est la fin du voyage. Oh là là, les grosses poutres là. Pas très fan moi des poutres. Marcher sur des poutres c'est pas... Bah, c'est pas... Non c'est pas... Ça réveille des vieux traumas en moi j'ai l'impression. Je sais pas exactement lesquels mais... C'est clairement pas les trucs que j'aime faire dans les jeux vidéo quoi. Surtout quand le jeu vidéo en question n'est pas vraiment réfléchi pour de la plateforme. Un peu mais pas tellement. Clé de pierre d'éclat de l'académie, c'est-à-dire. J'avais déjà ça non? Clé ouvrant les portes scellées, mais je l'ai déjà utilisé wesh. Ou j'en fous de quoi? Pourquoi vous m'en donnez une deuxième? Je vais descendre par là? Oui. Non, 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 sûrement pas. Et toi non plus d'ailleurs. Merde. Il m'a frappé avec son livre. J'ai perdu. J'ai perdu le combat. Alors pourquoi j'ai une deuxième pierre? Je ne comprends pas. Mais soit. Là en bas c'est là où j'ai battu le loup, je crois. Quoi là? Putain, mais y'a des trucs partout, ça rend. C'est qui ce crabe? Il me donne un casque, ok. Un masque, un casque. N'importe. Pourquoi y'a des crabes qui me donnent des casques? Mais ça n'a aucun sens ce jeu. C'est qui lui là-bas? Pourquoi il m'attend avec un air. Y'a beaucoup de vie, hein. Quoi? Ah mais c'est un parfumeur de mon cul là de nouveau? Enfin, parfumeur de mon cul, c'est bizarre de dire ça. Oh. Mais c'est dégueulasse. Bâton d'éclat d'azur. Et si on faisait une petite capture d'écran? Petite capture d'écran pour la miniature, ça vous dit? Non, je voulais pas du tout faire ça, je voulais éclater ça. Capture d'écran pour la miniature là. On peut faire ça en vrai, mais plutôt de ce côté là. Il a un meilleur profil comme ça Jean-Luc. Mais par contre il y a des déchets dans le champ visuel. Est-ce qu'on peut lui faire faire un petit cri de ralliement? Alors il va falloir être rapide hein. Merde, c'est raté. Ah si c'est... Oh j'aurais pu l'avoir, j'aurais pu l'avoir. Attendez on recommence. Un petit cri de ralliement Jean-Luc. La République, c'est moi. Parfait. Il y avait pas un autre truc par hasard hein. On va peut-être faire le tour quand même. Tu sais qu'ils aiment bien cacher des trucs des fois à l'arrière, des choses. Et donc là je suis venu là juste pour trouver ce bâton. Alors c'est pas que ça m'emmerde. Mais un peu. Donc du coup là il faut que je fasse quoi? Que je redescende dans l'église et que je refasse tout le tour? Parce que là... Ah oui donc là je pouvais descendre du toit. Je suis passé par la fenêtre du truc. J'aurais pu aller par là aussi. Y'a quelque chose par là ou y'a rien? En descendant l'échelle. De toute façon je peux plus remonter maintenant c'est fini. Ah une échelle là parfait. Oh le coup de pied plein de rage de Jean-Luc quoi. Coup de pied rageux. Ah oh, je me suis trompé de chemin, excusez-moi. Aïe aïe aïe. Aïe y'a du monde. Aïe aïe aïe. Y'a du monde. Attendez, deux secondes. Deux petites secondes, je vais vous tout de suite. C'est fou. Je m'en vais. Ah voilà, ajouter une dose de fiole là. Petite fiole là, ça fait plaisir ça. Hein. Ok. J'ai toutes mes armes, rassurez-moi. Oui. Je suis mauvais côté. Je suis du mauvais côté. C'est dommage pour ma gueule. Non mais attends, j'ai débloqué ça, mais pourquoi? Aïe aïe aïe.
peut-être pas la meilleure. Attendez. Je me suis fait tectoniquer. Rigole pas trop les pantins là, hein. Ils ont pas l'air d'être trop. D'être trop amusés, disons. Bon. Je suis 1000% perdu, hein. Je sais plus où aller. Non, pas lui. Lui là. C'est lui le con. Mais par contre, laissez-moi partir. Mais laissez-moi partir de ce meeting de merde. Ah bon? Qui a faim? Ça va les gars? Eh putain, mais ils m'emmerdent, ils me font chier! Vous me faites chier! Avec vos 8 bras là, ça n'intéresse personne ce que vous avez à dire. Pardon. Il fait nuit déjà, mais quelle heure? 22h. Oh, le temps passe vite quand on s'amuse. Je suis reparti du côté où je voulais. Oh, putain, mais je suis vraiment le roi des idiots quoi, c'est. Attends, moi je comprends R. Bon, soit. Mais encore. Ah, attends. Parce que là, du coup, la sortie en théorie, c'était plutôt là-bas. Non, pas du tout. Putain, mais c'est l'entrée ça. C'est le début en fait. Avec les casse-couilles là, qui emmerdent tout le monde. Oh merde. Mais il y en a encore un. Et vous vous moquez de moi. Bon, on va prendre l'échelle finalement. Mais je sais pas où aller en fait. Parce que monter là, c'est bien ça. Il y en a un derrière aussi. Et putain de. Casse les couilles. Hein. C'est bon? Oh là. Alors quelqu'un qui veut parler? C'est peut-être par là en fait. J'y pense. Enfin, j'ai pas l'impression. Eh ben, le crabe, bon, on va pas rebuter le crabe, il nous a rien fait. Hein. C'est un crabe. Ah, je comprends pas par contre. Je suis censé faire quoi? Est-ce que là-bas il y a juste l'autre qui nous envoie des boules de feu? En sortant par la fenêtre peut-être? Non. Même en sautant là, il n'y a rien en bas. Ah, je suis un peu du père, j'avoue. L'église du coucou, c'était au début. Salle de classe. C'est quoi la salle de classe? C'est là où il y avait le loup? Ah, si ça se trouve, c'est là-bas que je vais retourner en fait. Ou pas du tout, hein. Ou alors c'est moi qui dis de la merde. Je suis... Non, c'est pas là non plus. Salon de débat. Je ne sais pas. J'ai l'impression de me retaper tout le niveau sans savoir exactement... Ah voilà. D'accord, le salon de débat, c'est là où il y avait le loulou. Donc là, on ressort dans la grande cour. Ok. Ok, let's go. Donc là, on va pouvoir aller visiter un peu la cour. Là. Déjà, il y a un truc là-bas. Sur un cadavre, sur un macabre. Est-ce qu'il y a des choses dans la fontaine là? Bien sûr. Oh! Plaisir ça. Ah, je crois qu'elle m'a vu. Je crois que la saloperie là-bas m'a vu. C'est pas grave, je cours vite. Comment ça, un crabos ici?
Ouais, du monde un peu, hein. Pourquoi il y a des crabes? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce point? Oh, mais il y avait une autre rune. J'ai envie d'aller voir. Est-ce que je fais des dégâts ou pas? Je l'ai fait. Pas loin de zéro dégâts. Encore ou ça peut s'arrêter? Oh, peut-être qu'on va se barrer en fait. Hein. Peut-être qu'on va juste se casser en fait. Oh, mais c'est devenu personnel maintenant. Mais ça. Non! Il y a un pauvre R qui s'est fait tabasser, je crois, au passage. Ok. Oh putain, j'ai pas vu que j'étais vraiment très très au bord. Et ça va être la merde. Oh, ça va, c'est une rune dorée. Ça va, ça aurait pu être pire. Ok. Par contre, va falloir me laisser tranquille un moment. Moi, je vais pas te buter, hein. Fous-moi la paix, juste, hein. Je me casse, moi. Aucune possibilité pour que je te combatte, hein. Oh mais putain, mais pourquoi il y a des crabos? That makes no sense, bitch. Ah! Il a des grosses pinces. Comment je descends? Par là. Vite. Je me casse. Hop là, ça dégage, hein. Oh, calmos. Calmos le crabos. C'est quoi cette merde? Mais ils sont zinzins! Ah d'accord, bah très bien. Eh bah très bien, je note. Ouais, je vais courir. On va faire ça, hein. Hop, petite fiole de salut. Salut! C'est miraculeux celui-là. Oh non. Oh non. Alors je ne prendrai pas ça avant de... Avant d'avoir trouvé une grâce dans le coin. Hein. Que ce soit tout à fait clair entre nous. Bien sûr, on peut pourrir de ce côté-là, bien sûr. Pourquoi pas, ça aurait pas été drôle sinon. C'est qui lui? Ah frérot! Calme-toi! Et tape vite le con. Combien il m'a mis? Pourquoi est-il aussi méchant? Ouais, donc il faut juste pas que j'attaque quand il a son bouclier, quoi. Ça me paraît assez clair. Oh non, il va falloir que je me retape le chemin avec les grosses boules magiques là, vraiment. J'accepte le défi. C'est le jeu, hein. Le jeu, c'est le défi. Hein. Ah, y'a un truc là. Je n'avais point vu. Bon, par contre, c'est pas le moment de mourir, hein. T'es bien d'accord. Surtout pour des fléchettes de cristal à deux balles. Là. Attendez, on va analyser le mouvement de ces boules. Alors d'abord, elle se cogne là-bas. Ensuite, elle se cogne là. Moi, je cours. Allez, on court. Hein. Là? Ah, si je suis là, je suis plus ou moins safe. Je crois. Ah là, parfait, parfait, excellent. Bon, Jean-Michel maintenant. Hop, on va prendre ça, on va récupérer ça. Ok, un partout. Par contre, il a pris le poison, frérot. Aïe aïe aïe, putain, il fait mal le con, hein.
Comment ça? Je crois pas, non? Qui t'a autorisé à prendre une potion? Ah, t'en as plus? Oh, ça c'est ballot. Moi j'en ai, pas de soucis. J'en ai pour deux. Ah, t'as plus le bouclier par contre non plus. Ah, je me suis trompé de bouton. Je m'ai trompé de bouton. Non, non. Non, non, non. Ah, ça va aller à un moment aussi, hein. Je veux bien être gentil, mais. Gentillesse à des limites, quoi. Ah, j'espère qu'il repop pas parce que j'ai très envie d'aller essayer le TP qui est là. Donc le truc qui était à côté, c'était quoi? C'était la salle de classe d'école. Non, salle de débat, je crois. Salon de débat. C'est au salon de débat qu'il faut que je retourne. Allez, voyageons voir un autre endroit. Ça sent la bite, mais on y va. Oh. Ah bah je reviens à l'église chez... D'accord. Ouais, très bien. On revient à l'église chez chez la tortue. La tortue prêtre. On va prendre un level là. On va prendre un petit niveau là. Pas des petites runes à manger là? Non, mais on emmène des petites runes là. Bien sûr que si. Ok. Encore une stack. Ce sera bon. Excellent. Oh, je peux prendre deux levels. Eh bien, ce sera... On va peut-être commencer à monter l'enduit en vrai. Hein. On va mettre deux points en enduit, tiens. Ça peut pas faire de mal, hein. Puis ça augmente la charge max aussi. Je sais pas si la force ça influe sur la charge max qu'on peut porter ou pas. J'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû. Eh ouais, un peu tendu, c'est toujours bien. Mamma mia! Deuxième là. C'est quand même quelque chose l'invocation de boulet. Hein. Ok, il repop pas, ça va, c'était un unique. Ça me convient tout à fait. Par là. Un connard déjà. Plusieurs connards. Ah mais c'est des pécores, ils ont même pas d'armes. Oh, désolé hein, du coup. Hein. Je tenais pas forcément. Mais que, quoi? Ah pardon, t'avais pas d'armes. Désolé. Hein. Fallait pas crier. Alors là je peux monter mais pour aller où je ne sais pas. On va d'abord rester en bas. On va d'abord finir ce coin là. Allez par là-bas. Il y a deux connards là-bas, on les voit. Hein. On se sait. Voilà. Ah mais c'est le raccourci. D'accord, c'est le raccourci qui mène à la grande cour. D'accord. Au balcon qui surplombe la grande cour. Très bien. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc montons. Hop. Sur l'ongle feu. Ah, j'en peux plus, je suis fatigué. Peut-être falloir aller rompiche un moment. Hein. Ah, faut que j'aille promener le chien en plus ce soir encore. Oh. Bon, ce sera peut-être pas le live le plus long du monde ce soir. Hein. Peut-être qu'on finira juste à Raya Lucaria et puis. Enfin. Que dis-je, pas du tout Raya Lucaria. Peut-être qu'on finira juste le l'Elburnia et puis. Oh, c'est joli ici. Qu'est-ce qui est pas ça? Ah, boss? Ah oui, je crois que c'est Renala. La reine de la pleine lune. Oh, c'est joli, hein. Ça va?
Bizarre, hein, les suceurs de Jean-Luc, là. Cringe. The Queen. Hush, little Culver. You. I'll soon birth thee anew. A sweeting, fresh and pure. C'est-à-dire? Ah oui, faut que je bute d'abord celle-là qui me lance des livres à la gueule. Bon, ça va niveau dégâts, c'est plutôt gentil. Hein. Bon, après, c'est des livres. Ok, et là je peux bourriner la reine. Oh, les dégâts que je lui mets. First try la P1. Elle a pas eu le temps de faire grand chose la pauvre. Bon par contre la P2 c'est peut-être moins évident. Hein. On sait qu'elle a des grosses attaques qui tapent de loin. Allô ? Oh, my beloved. Oui ? Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Comment ça? Jean-Luc, t'as pas l'air très confiant. Et moi non plus. Après, je m'en souviens de la P2. My name is Rani the Witch. Mais Rani, c'est ma pote, non? Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Quoi? Mais. Foul trespasser. Et Rani, c'est pas ma pote? C'est pas... Send word far and wide. Je comprends rien. Vraiment, le scénario de jeu, je bite que dalle. Hein. C'est. Que ce soit bien clair, on ne comprend. Je ne comprends rien. Of the last queen of Caria. Renala of the full moon. Oh, c'est stylé, hein. And the majesty of the night she conjureth. C'est très stylé, hein. Qu'est-ce que c'est la lune là? C'est-à-dire Lunède? Bah elle m'envoie une lune à la gueule, c'est ça? Comme le sentiment qu'il vaut mieux pas s'apprendre la lune. Ouch. Ah mais les dégâts de ça. Oh merde. Ah oui d'accord. Ah j'ai eu le malheur de jeter un œil à mon téléphone, ça s'est mal passé. C'est pas grave. On va reprendre. Pour PayPal qui me dit que j'ai payé 1,99€ à Google quoi. Super, merci PayPal, tu m'as fait perdre. Bon par contre on va peut-être pas... Mais attends quoi? Pourquoi je reprends aussi loin, c'est une blague? The fuck? Y'a pas de grâce plus proche de... Oh, ou alors j'ai raté la grâce comme un connard. C'est tout à fait imaginable aussi. Par contre je vois le raccourci qui est là-bas. Si on allait le prendre. Si ça se trouve, il n'y a pas de grâce, mais il y a un raccourci. Parce que le boss est pas trop dur. Wouhou! Faudra que tu cours sur le jour. Oula! Ça va loin un peu, hein? Faudra-t-il que je cours jusqu'au bout? Merde. Tirer levier. Je tire levier.
Hop là. Non mais il doit y avoir une grâce devant le boss, c'est pas possible que je l'ai raté. Tel un idiot. Y'a pas de grâce là? Ah non, pas du tout, y'a pas de statuette non plus. Attendez, ce qu'on peut faire par contre c'est... redescendre l'ascenseur au cas où on canne de nouveau. Hein. Ah bon. Attendez, excusez-moi. Sont mes runes là. J'ai l'impression d'avoir perdu mes runes. Ok, là elle va tomber. Non, c'est pas au bout de 3. Si c'est au bout de 3. On passe, hein, c'est bon. Ok, lune aide. C'est très très stylé quand même. Hein. Ah, ce que je prends par contre. Ah oui, c'est vrai qu'elle invoque des trucs aussi. Oh putain, la lune. Oh mais ça va, ça fait moins mal que ce que je craignais. Pardon ? Un dragon ? Mais par contre, stop. Mais c'est une blague. Oh, le dragon il va se calmer. Je savais pas qu'elle faisait ça, moi. Oh putain, c'est le limier du cul là. Attendez, attendez. Putain, je me prends ça aussi. Oh non, mais il me tape sur la gueule en plus direct. Mais stop, laisse-moi aller taper la reine. Ah, par contre, dodge ça, par contre, ça fait très mal. Oh non, des loups. Des loups. Elle est où, elle fait quoi? Elle fait ça. Allez, ça suffit, hein. Allez, hein. Non mais par contre, c'est fini, hein. C'est fini, là, j'ai... Non mais je vais pas me faire crever par un dragon de merde qui n'existe pas. Ok, merci. Pardon? Faut s'en aller, monsieur, hein. Excusez-moi, j'ai paniqué. Non, mais c'est vrai qu'elle meurt pas, elle. Enfin, on la tue pas. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... on peut reroll chez elle. C'est bon à savoir, en vrai, hein. Dans le coffre, autant en profiter. C'est verrouillé.
Mais pourquoi? Mais pourquoi tu verrouilles? Il dit pas oui, je dois verrouiller. Alors, montée de niveau. On peut prendre deux levels. On va faire ça comme ça. Et ensuite, on va stepper où? Donc là, du coup, je vais s'en souvenir à elle aussi. On va se TP là pour aller ensuite à la chaussée du truc là. Et faire la grotte qui est là-bas. La chaussée martiale. Je vais y arriver. Attends, mais la clé. J'ai une deuxième clé. Et il y avait un... J'avais croisé un mage un peu plus tôt qui me disait... Il était où ce cake? C'était lui là? Marchand nomade? Non, c'était pas lui. Ça, c'était Bok. Tops le sorcier. Je crois que c'était Tops le sorcier qui avait dit qu'il était qu'il pouvait pas rentrer à l'école. Donc si ça se trouve, si je lui donne la clé, il va me donner des trucs. Je sais pas, hein. Pif. Hein. On essaye. Ouais, mon pote Bok. Tops le sorcier, il est à l'église là-bas. C'est un mec comme ça. Il est Tops. Je suis un homme bon, je suis Jean-Luc. Il est où? Ah, il est là. Michel le sorcier. Back to Lenana. Wonderful. Apology. I'm afraid. All right. I can tell you what I've seen. That's the only. Ah, il me parle de Lucaria. D'accord. D'accord, blablabla. On peut pas rentrer. Y'a pas de clé. Mon cul sur la commode. Why not without one? And you'll never. And if you find. Once you've tied up. Would you consider. I know it. But still. Vas-y, je te donne la clé, hein. You're willing to give my own. Thank you. Now I can go back to resume my study of Glenstone. Mais où c'est qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le revoir quelque part du coup? Ok, bon écoute, j'ai fait un heureux. J'ai pas envie de réfléchir plus longtemps que ça. Moi j'ai fait un heureux, ça me suffit. Hein. Vous savez, je suis du côté des faibles. Donc là, chaussée martiale, nous disions donc. Ah, ça me gratouille la tête. C'est joli cet endroit. Ça a l'air un chouïa chaotique, mais c'est joli. Ok, chaussée martiale, c'est par là-bas du coup. La chaussée maritale, la fameuse. On va peut-être pouvoir reprendre notre torrent. Il serait temps. Ah bah. Et si j'avais activé ça direct, ça aurait été plus simple, hein. Au lieu d'être con. Ok, bon, reprenons un peu l'explo. Ça faisait longtemps, tiens. Ça va, la VOD est courte pour l'instant, on a qu'à 2 heures. J'ai l'impression qu'il y a grand chose à explorer dans le coin. Ça a l'air ruineux. Ok, des petits soldats. Psychicos habituel là. Et quoi par contre en contrebas là genre? Vu. J'ai pas réussi à la prendre. J'ai ma rune dorée 1. Je suis heureux. Je suis le plus heureux des hommes. Oh, il y a un mausolée, trop bien. Ce qui veut dire que je vais pouvoir dupliquer le souvenir de Renala que je viens de gagner. Qui va sûrement me servir à rien. Ah, mais c'est le mausolée qui est en bas. Sur lequel je peux pas aller là. Le mausolée des cons là. Ah, mais d'ici, est-ce que. Ah, qu'est-ce que d'ici je vais pouvoir sauter en fait? Oh, c'est peut-être ça la feinte. Si je vais sur le piton rocheux qui se trouve ici. Si j'attends le bon moment. Peut-être, et seulement peut-être, je pourrais lui sauter sur la gueule. Bah ça fait très haut quand même, non? Il viendra jamais jusque là. Le bébou là.
Ah non, il viendra jamais jusqu'ici, mais pourquoi? C'est quand même très impressionnant. Eh bien tant pis, ma foi, on en trouvera d'autres. Hein. Oh, vu. Ça sert à rien, les runes dorées, ça sert plus à rien, ça me rapporte tellement peu. Mais en même temps, ça m'apporte du plaisir, je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je sais pas, je pense que c'est le fait d'écraser des crânes et en même temps de prendre ce qu'il y a dedans, ça... C'est l'effet Kinder Surprise. Tu voyais ce que je veux dire. Ouais, un soldat. Bonjour, tu m'as l'air très énervé. Pouvons-nous parler? Bon, t'es pas si énervé que ça. Hein. En même temps, je viens de battre ta reine, là. Ah, putain, pour être honnête aussi. C'est trop génial. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a des petits aigles. Ouais, laissez tranquille. Hein. Faut pas emmerder les aigles, hein. C'est pas notre genre. Donc là, c'est le château où j'étais avant, au début de VOD. Là. Oh, c'est une église. Oh! Église martiale. Ah mais du coup il y a une truc là-bas pour améliorer mes fioles. Vite. Allons s'améliorer la fiole. Oh, je veux vraiment avoir des fioles de qualité supérieure avec tout ça. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Hop là. Quoi par là? Bizarre le chemin qui s'enfonce sous l'église. Oula. Ah oui mais ça du coup ça va en bas, en contrebas là. En contrebas ici. Et ça va jusqu'à la mine. J'aimerais bien d'abord voir ce qu'il y a en haut en fait. On ira à la mine après. L'armina, mina, Là il y a des loups. Il y a un petit Kinder Surprise. Oh un petit Kinder Surprise quand même. Hop là. Bah. Il y a des loups, il y a des moutons. Il y a l'air d'y avoir un camp de connards. Quoi ça? Allô? Quoi? C'est quoi? Ah! J'ai l'impression qu'on me lance des choses. J'ai l'impression qu'on me veut du mal, bizarrement. Étonnant, ça n'est pourtant jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ok, là je suis où? Il y a un truc qui part par là aussi. On va essayer de partir par là pour voir. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ce rat? Il a fumé du mauvais crack? Qu'est-ce qu'ils ont ces rats plutôt? Ils ont pris du crack. Mais stop! Mais qu'est-ce que c'est que cette barre de merde en plus là? Non, par contre recule. Je suis pas sûr d'avoir envie de savoir ce que c'est que la barre là. Oh, il a fait un petit roulé-boulé lui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre mon cheval. Hein. Que ce soit bien clair tout de suite. Oh, un Kinder Surprise. Une grande tour. Allons voir la tour. C'est quoi un rat ici? C'est quoi un rat possédé? Putain mais... Qu'est-ce qu'ils ont les rats dans cette région? À être complètement fou. Et à rapporter autant d'âmes. Encore? Mais pourquoi j'ai les yeux qui deviennent rouges? C'est quoi ça? Au secours? Hein? Mais ça sort d'où ça? Ah,
Ah, c'est la démence, d'accord. D'accord. C'est-à-dire. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe. Ah mais c'est... Mais y'a Sauron genre. Oh. Oh c'est les dégâts que ça met. Non par contre non je me casse. Hein. Ah mais c'est les autres fous de la flamme exaltée là. C'est les zinzins là encore. Les zinzins de l'espace là. Attendez, on va attendre que ça passe. Ils sont spé ces gens quand même. Ils ont l'air particuliers quand même. Hein. Elle est où la tour? Elle est là. Merde. Je vais nous faire contaminer. Ah y'a un gros, y'a un gros. Pardon, pardon, j'avais pas vu. Excusez-moi. Putain, je vais crever. Putain, je vais crever des rats. Oh. J'ai été exalté. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, j'étais pas du tout prêt à ça. Je ne sais pas. Mine goat. Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'aller là-bas? Pas sûr. Ah bon, en même temps, si on fait rien, on sait pas. Hein. Ok, donc c'était par là-haut. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des catapultes qui me tirent dessus, c'est très désagréable. C'est pas la meilleure sensation que... Je conseille pas. À 8 sur 20 au niveau de l'expérience. Ça a l'air incroyable cet endroit quand même. On reviendra, hein. On va d'abord aller voir la tour. La tour de feu des dingos là. Bon les rats par contre c'est bon. Hein. On vous a entendu. J'ai compris ce que vous aviez à dire. Ça s'arrête jamais? Ah si ça va. Oh ça va j'ai bien... J'ai bien réussi à gérer pour y aller sans trop m'en prendre plein la gueule. Je suis fier de moi, tiens. Stop, stop. Putain. Chier. Ils me rendent fou ces gens. Il m'a démenté. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie là? C'est quoi ce délire là? J'arrive chez Sauron ou comment ça se passe? Cri de chabré. C'est les connards là qui foutent le dawa là. Non 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 non. Ah c'était juste eux qui faisaient ça là. 4 tarés sur une tour et le monde prend feu. Bon, c'est un peu l'histoire du gouvernement français avec Emmanuel Macron mais... Est-ce que je rapporte tout à la politique en ce moment? C'est fort possible. Bon, au moins, on a nettoyé les parages. Ça suffit, ça suffit. Attendez, excusez-moi, j'ai reçu un message, faut que je vois ce qu'il en est. Si ça se trouve, c'est important. Ce n'est pas important. Enfin, c'est important, mais sans lettre. Ok, bon. D'accord.
Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Oh, vous m'emmerdez. Hein. Ah, vraiment, vous me cassez les couilles, les fourmis. Les fourmis, les souris. Les fourmis. Les fameuses fourmis de Elden Ring. Et ici aussi, il y a un château. Mais ça s'arrête jamais, le jeu. Mais quoi? Attendez, mais je vais où, là? C'est quoi ce bail? Ah, il y a une mine en plus. Oh, Kinder Surprise. Ok. C'est quoi cette tour là? Oh, il y a des trucs partout, hein, ça rend zinzin. Hein. Le jeu il s'arrête jamais. Hein. Il y a un grand vénère là. Plus malin. Après il prend le poison le frérot donc. Aïe aïe aïe. Oh sérieusement. Merci. Il me rapporte rien. Quel déplaisir, merci beaucoup. Ah, par contre, il fallait sûrement que je le bute pour. L'érudition. J'ai pas reçu un emote érudition, genre. Non, mais, non, pas ce geste là. Pas ce. On aime pas. Non, je suis bof. Érudition. Ok. C'est-à-dire? C'est tout? C'est pas censé m'ouvrir le chemin? Peut-être que j'étais trop loin? On va essayer. Ah, ça a pas l'air évident. Mais attends. Puisse l'érudition illuminer votre voie? Peut-être face à la porte là? Face à la porte. Je suis très érudit. J'érudis les portes. Ça n'a pas l'air clair. Hein. Alors il faut que je me colle à la statue genre. Ça fait rien, hein. C'est de la merde. Hein. Je me casse. Sans tout ça, c'est de nouveau pour avoir un putain de némolite à la con. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Étant donné que je ne joue pas de magie. Fuck. Ok, très bien. Il y avait un endroit avec un courant ascendant et je l'ai perdu, je sais plus où c'était, c'était plus par là-bas je crois, après les loups. Ouais c'est là. Ça me permet de descendre où en fait? Oh. Juste en dessous. Et bien d'accord. C'est pas très clair mais soit. Et surtout où je vais en fait, voilà. Des champlards. Bah ça me permet juste de redescendre par un autre chemin quoi. Et ben d'accord. Allons voir cette grande porte là.
Wow. Wow. Ouais, c'est beau, on est d'accord, les moutons. Un truc qui brille là. J'aime bien les trucs qui brillent. Ah mais c'est l'ascenseur je crois qui mène je sais plus trop où, au plateau d'Altus ou quelque chose comme ça. Oh, oh j'ai les souvenirs qui me reviennent au fur et à mesure là. Comment ça s'appelle? Oui, grand ascenseur de Dectus, d'accord. C'est pas Altus alors, c'est Dectus? Je sais plus. Il est là quelque part, l'autre chemin menant jusqu'au pied de l'arbre-mont d'une ancienne galerie. Ah bah c'est la... à tous les coups c'est la galerie que je recherche là. Que j'ai vu. C'est pas un pote lui là? Attends la chauve-souris hein, j'arrive. Pierre de forche sombre. Pierre de forche sombre. Elle est où la chauve-souris? Elle est là. Voilà, on va. Désolé hein, j'ai pas que ça à foutre. Excusez-moi. Y'a pas un camp aussi, un camp de cons? Un camp de con du cul. Voilà le camp de con là. Avec leur petit lance-pierre là. On se sert hein, les lance-pierres là. Ah non, tu joueras pas de trompette, désolé. Il est vénère lui. Tu fais quoi dans la vie? Tu tapes, d'accord, tu tapes fort. Par contre t'es empoisonné. Ça je sais pas comment te le dire mais... Je m'attendais pas à ce qu'il y a le cassos avec là. Je cache pas que... Voilà, ça c'est fait. Il est encore là lui? Sérieux, j'ai buté ton pote là? Ton pote avec sa grosse épée de merde? J'entends un bousier. J'entends comme un bousier quelque part par là. Où es-tu? Bousier de mes rêves. Il est où? Ok, bah, allons voir le reste du camp d'abord. Oh, un lys. Il est où le con de bousier là? Je l'entends là. Je vais le chercher. Chercher bousier. Je vais me le faire ce bousier. Oh mais c'est un bousier rouge. Oh. Oh on s'en fout un peu. Hein. Bon. Oh maintenant il y a ce truc là. Pff, ça on n'aime pas trop ici. Hein. Il y a beaucoup de gens. Hein. Quand même pas mal de monde. Je vais m'en aller. Et s'en aller. Et les crever. Oh bonjour, qui êtes-vous? Ça va? Ça a pas l'air d'aller fou hein. Par contre je fais pas mal d'arc runique, ça c'est plaisant ça. Encore un? Encore un? Ok. Oh vraiment, c'est marrant. Comment je chie? Oh. Bah. Bah l'autre il a un petit cheval. Attends. Ça s'appelle on se fait une teuf. Hein. Ah oui. Eh oui. C'est des choses qui arrivent frérot. Hein. Allez, bonne soirée à toi. Or, on va passer par l'autre côté. J'entends encore un bousier. I hear bousier everywhere. Il est où?
On risque de bousiller. D'aucuns dire oh, c'est un bousiller de merde. Est-ce qu'il me rend mon mana aussi? Est-ce qu'il me donne juste des potions? Il me rend pas mon mana. Nope. Je ne crois pas. Un coffre. Coffre. Une grande masse. Nope. Alors, on va remonter sur le cheval. On va se refaire la même. Hop. Hop là. Bon, c'est tout, il y avait pas plus que ça ici. Ah si, il y a des cons. Ah, c'est eux avec les balistes là. C'est eux avec les... Ah oui, c'est littéralement des catapultes en fait. Et c'est eux qui me tirent dessus du coup là. Petit bat. Je m'en souviendrai. Je me souviendrai de vos visages. Ah, c'est un peu haut, non? C'était un peu haut. Est-ce qu'on avait... Oui, parfait, l'église. Donc c'est là-bas qu'on voulait aller pour prendre le chemin en contrebas qui nous menait à la mine. Une mine. L'église maritale, la fameuse. Ok, donc là en bas. Oh, un marchand. Bonsoir. Non mais je vais pas te faire de mal, t'inquiète. C'est quoi ça? Un bouclier de la faille. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est plus... C'est plus... Ouais, si on peut crafter des trucs, c'est bien. C'est bien de crafter des trucs. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus des pierres de forge en soi, mais bon. C'est qui, ça? Je vois mal. Je vois pas qui vous êtes. Oh, c'est... Ah oui, d'accord. C'est les mecs des mines. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Là, ces cons là, ils sont pas censés être dans les mines. Ah non, pas que je vais les remettre à leur place, hein, mais ça m'étonne de les voir ici, quoi. Hop là. Bon, cheval, il en a rien à foutre. Hein. Il voit des trucs, il rentre dedans, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Hop là, bonsoir. Oui, pendant que tu fais tes trucs, t'en voudras pas. Ok. Disons demain.fr. Au revoir. Salut à toi. A plus dans le bus. C'est vrai qu'ils me rechargent mes potions. C'est plaisant ça. C'est très, très urbain de leur part. Est-ce que je vais... Oh non, il y a des gros trucs là. Oh. Pas très fan des gros trucs qui crachent du poison de manière générale. Et là j'arrive où là? J'arrive en Lurnia, certes. Mais genre si je continue là-bas je vais où? Putain, par contre j'aimerais bien perdre l'aggro histoire de pouvoir voir ma map. Ok, donc je reviens par la rivière en fait, d'accord. Mais bon, on va pas faire ça. Hein. Ils sont trop chelous ces mobs. Je les trouve paisibles. Allez voir, ça me fait du bien, je crois. Malgré le fait qu'il me crache du poison à la gueule, ça me... Je sais pas, je me sens bien quand je suis près d'eux, quoi. Regardez-moi ça, on dirait des grosses pierres bienveillantes. Donc ils crachent du poison, hein, encore une fois, mais... Bonsoir, bonsoir. Pierre de forge 5. Plaisir ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Je vais couper mon ventilateur parce que là je me caille les miches limite. Attendez. Le ventilateur s'est calmé. Hop là. Est-ce qu'on se repose? Oui, on peut se reposer. Oui. On peut faire ça. J'ai faim.
Pourquoi j'ai faim maintenant? J'ai bouffé avant pourtant. Mais attendez, je m'occupe de quelque chose de plus important que vous. Qu'est-ce que... Mais arrête, lâche le focus sur ces chauves-souris de merde. Mais y'a rien en fait, c'est juste un trou. Hop là, moi je m'en veux, hein. Foutez-moi la paix. Juste laissez-moi tranquille. Ok, bah y'a rien d'autre par là-bas, d'accord. Very well. J'ai une larme là, je peux pas améliorer. Ah bah non, je peux pas. Il m'en faut plus. Y'a quelque chose là derrière? Putain, j'ai la maladie du loot quoi, c'est. C'est quand même un délire. Une mine. Je pense que c'est par là-bas du coup. Si j'en crois ma carte. Si je peux regarder ma carte, ce serait cool, non? Oui, c'est par là. À tous les coups, en montant, je vais tomber dessus. C'est merde. Il y a un poulpe, un bébé poulpos sur un échafaudage. C'est bizarre quand même. Ambiance étrange. Hein. Elden ambiance. Ah voilà, j'y suis. Wow, stylé un peu. Hein. Oh, une pierre de forge 4. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah mais c'est ce que j'ai vu en bas en fait, ils venaient de là. Par contre ils ont l'air d'avoir de la vie les bougres. Les bougs. Non 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 non, je sais pas ce que t'étais en train de faire mais c'est non. Mais attends, attends, attends. C'est une pierre de forge ça. Une pierre de Guy Forget. Je pense qu'il est temps d'améliorer mes armes, parce que là... Si les mobs commencent à avoir autant de vie, ça peut vite devenir embêtant. Pas tous apparemment cependant. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai pris du poison? Du poison à balles là? J'ai marché dans quoi? C'est la terre là qui m'empoisonne comme ça? Oh merde! C'était inattendu, tiens! On va éviter de marcher dessus, du coup. Hein. Ah non, c'est pas ça. Ça a l'air d'aller. Bâtard! Là, ça a l'air d'aller pourtant. Alors, j'avoue ne pas bien comprendre. Mais soit, hein. On va prendre ça. Histoire de se régénérer la vie en même temps qu'elle tombe. Okay. Merde, ça monte. Je croyais que ça descendrait. Oui. Oh oui. Une petite 5 là. Par contre, je descends par où hein? Ah là-bas. Quand même que je surveille ma vie parce que... C'est bien sympa la fiole, mais j'ai l'impression que ma vie descend plus vite qu'elle ne remonte avec la fiole. C'est ballot. Encore que... Ah non, ça s'équilibre. Ça fait pom pom, pom pom. Par contre, c'est long le poison, hein. Pouh. Allez, on va se huiler un petit coup. Qu'est-ce que c'est long, bordel? Ça dure 800 ans le bazar là. Je regarde, ça rien d'autre, hein, désolé, ça tourne un peu. Forcément de trucs que je vais rater, hein, mais bon. That's life.
crie comme ça, faut pas gueuler. Hein. Ça va aller. Hein. Tout va bien se passer, t'inquiète. That's life. Oh, wow, wow. Oh le ben. Ça fait mal lui avec sa petite flamèche là. Mais non, mais non, mais non. Et je veux juste aller derrière toi pour te buter, c'est pas compliqué. Oh putain, ce qui me met. Stop. Oh, j'ai encore le poison en plus au cul. Pourquoi il y a autant de vent là? Qu'est-ce qui se passe? Soudain. Soudain plein de vent chez moi. Ok. Ok, donc j'ai plus le poison mais j'ai encore un peu d'huile donc ça c'est cool. Oh les enculés. Ah les bâtards. Je sais pas d'où le poison sort mais il est là. C'est eux qui m'ont lancé un truc, c'est ça? C'est pas clair quand même. Histoire de... Putain non mais je marche sur des trucs en fait. Mais je comprends pas ce que c'est. Pas les pierres vertes parce que là je les pète et ça me fait rien. Allez les connards. Ok. Vu les petits cons là. Ok les petits cons qui arrivent. What the fuck? Les amis. Ok. Ok. Ok, 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 on va y arriver. Arc runique, ok. Very well. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Oh c'est lui. Ah ouais, j'avais un vague souvenir comme quoi il explosait lui. Ok on est sorti. Oh putain oui. Merci. Merci la vie. On va se poser hein, on va pas... On va se poser tranquillement et puis on continue après. Coton doux. Bonjour, merci beaucoup pour ce coton doux. J'ai aucune idée de ce que je vais en foutre mais c'est très gentil je suppose. Brrr. Mais attendez. Attendez, je pense à un truc là. C'est-à-dire que je viens d'avoir une grâce donc du coup je peux peut-être retourner à la table histoire de voir si je peux améliorer mes armes. Allons checker ça vite fait. Check Ivara bien sûr. Bon, je ne suis toujours pas mort, merci. Ah oui, quel plaisir. Appelez. Oh là là, plus 12. Et il me faut quoi pour la prochaine? 6 pierres de forge, 4. Ok, ça peut se faire. Hein. Nice. Tic-tac-tic-tac-toum. Village secret du Rave. C'était sûrement là. No matter. Get on your arm. C'était pas du tout là. C'était pas du tout là. Ruine des falaises. Oui, c'était peut-être plus ruine des falaises, oui, en effet. Ils sont vachement proches, les deux points, quand même. Ah. On arrive. Je vous jure qu'on arrive. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Je ne crois pas. La mort, sûrement. Pourquoi ils me déséquipent toujours l'arme en deuxième main? Je comprends pas. Chaque fois que je les améliore, ils me les déséquipent. Chiant un peu.
vu. La chauve-souris, vu. Mais non, mais. Oh, quelle connasse! Oh! Alors, ça, je me suis fait picorer par la chauve-souris. Bon, alors, ça va pas passer. Eh, y'a un courant d'air de ouf! Wesh! Attendez, je vais fermer la porte deux secondes. Je comprends rien, il faisait 29 degrés toute la journée et puis soudain on se meule les miches. Quel enfer. Ok. Je vais déjà reprendre mes âmes. Et après je vais reculer. Histoire de pas... Eh, viens là. Ça intéresse personne ce que tu fais là. Danse la gigue du cul là. Ah oui. Oh bah ça a l'air grand quand même hein, cette affaire. Ah j'ai le nez qui gratte à l'aide. Ça va mieux, merci. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir écouté. C'est quoi ça là? Oula. Calme-toi. Mais viens, mais viens donc. Qu'ils y viennent. Voilà. Ça donne quoi une chauve-souris? Oh, des runes dorées. Ah oh, bah d'accord. Ah oh, bah d'accord. J'accepte. J'accepte ton don de runes. Et quoi là-haut? Y'a un truc là-haut, y'a forcément un truc là-haut. Irr. Hors de la plateforme. Ça va, merci la vie. Heureusement qu'ils avaient prévu de refoutre du sol en dessous parce que... Ah, ma dextérité de plateforme est légendaire. Comprenez, c'est de la merde. Pierre de forge sombre, bah, très bien. Oh, ça chante par là-bas. Ça peut vouloir dire qu'une chose. Il y a une harpie. Mais les harpies, je crois que ça donne du stuff. La météo est très bizarre en ce moment. Parce que genre la journée il fait 29 et le soir il y a des tempêtes. Étrange le réchauffement climatique. Hein. Ça fait des trucs bizarres. Hein. J'aime bien leur chanson, moi, aux harpies. Il y a des gens qui trouvent ça creepy, moi je trouve ça très stylé. En vrai, elle est stylée. Hein. Arrête pas de chanter pour moi. Hein. Rune dorée 6, quel plaisir. Bitch! Oh, par contre, on va un peu faire gaffe à nos culs. Ça va, ça. Ok, bon. On a reçu une rune dorée, on va pas chialer. Oh là, oh, j'ai failli rater ça. Oh, ça aurait été fort dommage. Fort dommage même. Quoi par là? Forcément quelque chose par là. J'ai l'impression. Non, faut pas descendre en bas, c'est pas possible. Encore? Encore des harpies qui chantent? Oh putain, la pie qui chante là. Petit bonbon au caramel là. Mmh. La pie qui chante, putain de merde. Les références qui sortent des enfers. Bonjour, bonjour. J'ai vu un truc sur la colonne là-bas, je crois.
Essayons de faire un peu de plateforme dans Elden Ring. Vraiment, c'est ce que j'aime faire. Moi, c'est ma grande passion. Encore une rune d'or. Ça va. Ça aurait pu être bien pire. Hop. On va aller choper la harpie, là. Ça aurait pu être bien pire, la chute, là. Mais ça va. On s'en sort bien. J'ai très honnêtement cru que j'allais crever. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi? Mais dégage! C'est sérieux, ça, quand même? C'est pas possible, on peut pas être tranquille dans ce pays. Amène Dory. Amène la pierre de forge. Dominus. De quoi on parle, hein? Oh, ça pue la merde, ça pue la plateforme. Ça pue la grosse plateforme bien... Bien pourri. Oh, je me dépêche, faut que j'aille promener le petit chien, bordel. Ah, il y a un gros, poulpe. Poulpe. Mais c'est bon, on sait se les faire maintenant. On a compris comment ça marche. Faut leur taper dans le nez. Qu'est-ce que tu as à faire, Jean-Mi? Poisonnette, Jean-Mi. Hein. Bon, on a aussi compris qu'ils nous font chier. Mais bon, c'était... Aïe. Aïe quand même. Ah oui. Merci quand même, j'y croyais plus. Curé. Ok, une 3, c'est pas ouf. Épée courbée du dieu serpent. C'est quoi ça? C'est quoi comme dinguerie encore? Oh, une pierre de forge. Ok, une arme force dex. En taille tournoyante, d'accord. Moi j'ai envie de continuer à jouer mes crochets, hein. je pourrais jouer des armes force dex, hein. Y a pas aucun souci là-dessus. Vu que c'est exactement mon stuff, mais j'ai très très envie de continuer à jouer mes petits crochets là. Est-ce que je peux tomber d'ici sans mourir? On va essayer tout de suite. Oh c'est oui. Mais elles sont deux les bitches, il y en a une deuxième. Quoi, tu fais de la magie toi? Et tu voles en plus. Tu chantes pas par contre, j'ai pas l'impression que tu chantes toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais des têtes de mort, fais des petites têtes de mort. Oh c'est dark, hein, on aime bien. J'aime ce. Oh, par contre, je préférerais encore pouvoir la buter, hein, tu vois. Aïe aïe aïe. Hop, on va se vite fait, hein. Oh là là, ces têtes de mort à la con là. Attendez, attendez. Ça va pas aussi loin. Oh putain, tu me saoules! What the fuck? Oh bah non! Oh bah non! Oh bah non! Oh! Oh! Ah bah oui, tout pareil!
Tout pareil. Ah bah j'ai chu. Ah bah j'ai chu, ça arrive quoi. Oh c'est loin. Oh. Oh. Salut Jean-Luc, salut mon pote. La Dominus de la news. On va lire les news. Ouais, excusez-moi, j'ai pas le temps. J'ai pas votre temps, moi. Mais pourquoi tu... La caméra change de direction toute seule, parfois. De manière un peu random. C'est très ennuyeux. Hop, là, on monte. Ah, il est encore là, l'autre. Faut que je la rebute, c'est ça? Or. Alors je peux peut-être juste passer à côté. En scrud, prendre l'échelle comme ça et hop. Je n'ai rien, absolument rien contre toi. Sauf maintenant parce que tu m'as mis du poison. Et c'est pas ouf. Oh, cependant on peut passer tranquillement, ça va. Ok, on va prendre ça. Histoire de counter le poison, tranquillou. J'ai vu un truc là-bas. Ah non, j'ai rien vu. C'était juste les yeux des chauves-souris. Oui, non mais laisse-moi. Fous-moi la paix. Bon, de retour ici, maintenant. Attendez. J'avais pas vu ça. Un arc runique. Elle a bougé ou... Elle a bougé. Ta gueule! Cette fois elle est tombée, tiens. En plus sa gueule hein. Elle est où? Non mais c'est... Ah non! Pourquoi tu cries, mamie? C'est pas drôle en fait. Oh elle m'emmerde. Oh mon dieu ce qu'elle m'emmerde. Oh je prends ça, je meurs. Oh ta gueule. Oh mon dieu qu'est-ce qu'elle m'a saoulé. Infernal. Allez donne ta merde là. Oh une rune dorée, ça va. Oh mon dieu, mais quelle saloperie! Bonjour. On ne pas tomber maintenant par contre. Centre de guerre perdu. Qu'est-ce donc? C'est quoi les centres de guerre perdus? Jamais vu ça. Attendez, on va prendre l'ascenseur et on va regarder. Permet de dupliquer. Ah, permet de dupliquer des cendres de guerre, d'accord. Ok, je. Voilà, très bien. Je sais pas trop pourquoi pour l'instant, mais ça doit pouvoir servir à quelque chose. Ok, nice. Heureusement, une grâce ici. Une grâce Kelly. Va bien manger tes grands morts. Oh, y'a un boss ici. Bon, écoutez. Laissez la police faire son travail et puis... une référence, bien sûr, je n'aime pas la police. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ça? Un dragon. Ah mais un dragon différent quoi. Un dragon. Aïe! Un dragon un peu différent.
tiens. Voilà du boudin. Par contre, arrête. Oh, oh, oh. Que ce soit bien clair, je joue comme une brutasse. Je sais pas, je vois pas ce que je fais. Au secours. Lâche le focus. Oh putain. Ok. Ah, il se fait des petits. Des petits retournés. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Ah! Excusez-moi. J'étais pas prêt à ça. Encore là? Putain, je vois rien! Bon. Il est où? Il est là-bas. Ok, ok. Une grosse soirée apparemment. Ah, quoi? C'est Gwiké? Qu'est-ce qu'il nous a fait le frérot là? Oh non. Pas le magma. Oh putain. J'ai vu sa grosse lame se s'abattre brutalement. Ok, ok. Mais c'est vrai que mon coup final fait mal hein. J'ai plus d'enduit là par contre. Hein. Temps de partir monsieur. Mais pourquoi j'ai réussi aussi bien à faire les boss? Dans mon esprit c'était plus dur que ça. Hein. Au revoir. Ok. Ah bah d'accord. Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs c'était vachement plus compliqué. Peut-être parce que je jouais mage en fait. Hein. Je sais pas, j'arrive peut-être mieux à jouer une brutasse. Enfin une brutasse, quand je dis brutasse c'est Jean-Luc bien sûr. C'est pas une insulte, hein. C'est honorifique. Fois 18. C'est marrant que ça scale sur la foi. Une arme de dragon. Étonnant, surprenant. Bon, je suis où là? Le plateau Altus. Mais c'est la prochaine zone ça en fait. Le grand ascenseur qui me mène ici. J'ai juste trouvé un autre chemin pour y aller. Ah bah nice, cool. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, de toute façon, on ira en Siofra, je pense. Histoire de faire la quête de notre ami Blades. Mais c'est cool qu'on ait débloqué le plateau. Je pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement. On Siofra pas. C'est où l'ascenseur? Il est là. Ok, donc on va aller au bois brumeux. Et bruit bizarre dehors. On va aller au bois brumeux et puis on va s'arrêter là, je pense. Ça offrait une petite VOD de 3 heures, c'est pas si mal. J'ai combien de pierres de forge, du coup? Pierre de forge 4, j'en ai 7. Est-ce que je peux aller améliorer mon arme? Je crois que c'était 6 qu'il fallait. Ce serait bien de pouvoir l'améliorer vite fait, là. Quoi ces bruits de ouf de... Qu'est-ce qui se passe? Oh oui. Oh oui. Oh, plus 14, quel plaisir.
Oh, je scale B maintenant en plus sur la force et sur le et sur l'endu. 143 plus 127, donc ça nous fait du 270 de dégâts. Non, pas tout de suite. Pas encore, quand on l'aura amélioré encore. Bon, les amis. Il faut que je lui parle de Rodrika. Il faut que je retourne parler à... Je sais plus, j'organise un date entre les deux, là. Je sais plus bien à quoi ça sert, mais... Ok, bon. On va stepper près de l'entrée... de la forêt. Où il y a... Ou alors je prends l'ascenseur direct et je cherche une grâce. Bon, on va faire ça. On va juste chercher vite fait la grâce. Hop, par là-bas. Eh bon, on avance bien, hein, mine de rien. Il y a des ours partout dans ce jeu. Ils sont vraiment horribles en plus à gratter les arbres comme des mongolos, là. Ok, on y est, c'est là. On va retrouver Blade. Hop là. Ah, ça en fout plein les yeux hein, cet endroit. Par contre, je suis pas du tout fan de l'endroit, je trouve ça assez. J'aime bien quand il fait jour, ça change. Oh là là, ce Jean-Luc. J'y crois toujours pas. Hein. Je m'en remets toujours pas. Hein. Qui a construit ce truc ? Et là, paf! Ça fait tout bizarre qu'on arrive ici la première fois. Ah, hein. Oh, c'est vraiment très stylé. Hein. Savoir qu'il y a un monde sous le monde, c'est quand même zinzin. Hein. Ils se sont fait plaisir. Hein. Mama. Ah là, on y est. Hop, nickel, on va s'arrêter là. Parfait les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live et cette VOD bien sûr. Pour Twitch, n'hésitez pas bien entendu à venir sur YouTube. Pour YouTube bien sûr, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch pour me rapporter de l'argent. Ou juste à liker et à tout simplement venir discuter, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure qu'il est chez vous, bien sûr. Prenez soin de vous et bien sûr, allez voter demain, c'est très important. Au revoir YouTube. Tu verras cette vidéo trop tard, mais c'est pas grave. Au revoir, des bisous. Salut, prenez soin de vous.